Ah, et salut! Bonjour tout le monde, bonjour Combiner Games. Eh ben, moi ça va, et j'espère que ça va aussi. Mais il n'y a pas de raison que ça aille pas, parce qu'aujourd'hui, on est samedi, c'est le week-end, il fait beau, il fait chaud, mais pas trop, les oiseaux chantent, c'est parfait, c'est le moment idéal pour continuer un petit stream de Zelda. Et du coup, pour aller chercher la fameuse épée. L'épée purificatrice, celle dont on nous parle depuis le début du jeu, mais qu'on n'a jamais trouvée encore. Mais je suis sûr qu'en piffant dans la forêt d'Hyrule, on va y arriver, j'ai la foi. Du coup, hier, on s'était quitté dans le village Gerudo. On avait ramené les viscères de je sais plus quelle grosse bestiole à une femme, soi-disant pour son mari. Et du coup, une fois qu'on lui a donné, elle s'est barrée. Donc on l'a suivie en pensant qu'elle allait remettre les viscères à son mari pour qu'il guérisse. Et puis là, on a découvert qu'en fait, non, elle est juste partie à l'hôtel se coucher. Donc son mari n'existe pas. Ses viscères étaient pour elle. Et ça, c'est quand même un peu scandaleux qu'elle nous ait menti comme ça avec autant d'aplomb. J'étais assez vexé. Et du coup, ben je me suis rappelé de mon autre waifu qui m'attend au sanctuaire de Mizu et qui a besoin d'un cocktail. Alors on avait regardé vite fait dans les magasins, mais il n'y avait pas de cocktail. Et puis cette nuit, je me suis réveillé en sursaut à 3 h du matin, et puis j'ai dit, mais c'est bien sûr, il y a un bar dans cette ville, donc s'il faut un cocktail, c'est forcément dans le bar. Voilà. Et donc... tiens, une jeune Ilienne. Je ne sais pas quel âge tu as, mais tu m'as l'air bien trop jeune pour entrer dans mon établissement. Ah zut, donc ça veut dire qu'il faut se déguiser en femme et mettre une fausse barbe en plus, sûrement pour pouvoir consommer un petit coup. Alors, les boissons que nous préparons ici ont un goût spécial. Reviens quand tu auras l'âge de savoir faire la différence. Ah, mais le Vahi Mits Voi, le fameux cocktail que je dois rapporter à madame, il est où? Tu veux commander la spécialité de notre établissement? Désolé, mais j'ai besoin d'une grande quantité de glace pour en préparer. Ah, en ce moment, on est un peu à court. De toute façon, c'est bien trop fort pour quelqu'un pour toi. Il est hors de question que je t'en vende. En fait, c'est pas pour moi, c'est pour ma future waifu. Quoi? Porpi, t'as vraiment dit ça? Écoute, j'aimerais bien l'aider, mais sans glace, je ne peux rien faire pour elle. Il suffirait d'en ramener de la glacière, mais j'ai bien trop mal aux jambes pour m'y rendre. Ah, mais moi, je peux y aller. Tu ferais ça? Tu me rendrais un fier service. Porpi est une de mes habituées, tu vois. La glacière se trouve au nord de la cité. Elle est gardée par Obarn. Si tu lui expliques la situation, elle te donnera la glace. Elle est plutôt du genre couche-tôt, alors va la voir quand il fait encore jour si tu ne veux pas la manquer. Au fait, ma grande, je suis bien trop vieille pour transporter de la glace à travers le désert, mais je peux aller la récupérer à l'entrée des ruines, à mi-chemin entre la glacière et la cité. Ah, mais Link, c'est toujours un brave homme, enfin une brave fille du coup, vu qu'on est astucieusement déguisé, avec un foulard sur la tête, personne ne peut nous reconnaître. Alors tu n'auras qu'à amener la glace à cet endroit. Alors... Du coup, faut aller là, c'est ça, si j'ai bien compris. Ben on va y aller, et du coup, on va remettre la fameuse quête de l'été, de l'épée un petit peu plus tard. Je pense que ça ne va pas nous prendre non plus une demi-journée pour y aller, sauf si je continue à tourner en rond dans la ville. Ah bah oui, regarde. La magie ultime de Link qui se déguise en femme, tu vois. Alors, tu vois, tu mets une capuche comme ça. Link est toujours assez efféminé, hein, mais là, bizarrement, il ne trompe personne. Et ça, quand même, c'est étrange, hein. Moi, j'ai pas bien compris la première fois, j'étais sûr que ça passerait. Et du coup, bah là, tu dis, ah bah zut, je peux pas rentrer, faut que je sois déguisé en femme. Donc, ce que tu fais, c'est que tu te mets bien devant ce PNJ, là, devant le garde. Tu mets ton petit foulard, voilà, et puis là, il n'y a plus de problème. Comme quoi, finalement, ce qui les dérange, c'est pas le fait que Link soit un homme, c'est juste le fait qu'il ressemble pas trop à une femme s'il a pas son foulard sur la tête.
Ou alors c'est qu'il doit vraiment être moche sans le machin, et du coup qui lui cache le menton. Il doit avoir un problème sous le menton, je pense. Peut-être un poil de barbe qui dégoûte tout le monde, parce que les poils de barbe qui se promènent tout seuls, c'est assez dégueulasse, ça fait un petit peu négligé quand même. Du coup, on comprend un petit peu les désarrois de ces femmes, et c'est important de le cacher, à défaut de pouvoir le couper. Parce que ce Zelda est certes un jeu parfait, un jeu où on peut faire beaucoup de choses, par contre, on ne peut pas raser le poil de barbe de Link qui dépasse sous son menton. Et ça, quand même, c'est dommage. Ou un gros bouton, ouais. Du coup, il faudrait pouvoir percer ce gros bouton qui est une honte pour l'esthétisme général du jeu. Heureusement, grâce à la sous-puissance de la Switch, le jeu n'arrive pas à afficher ce bouton. Donc on ne le voit pas et finalement, j'ai envie de dire, c'est très bien comme ça. On devrait même se limiter à jouer en 240p au lieu de jouer en 1080, même si là je vous diffuse le stream en 720p, hein, mais moi je joue en 1080 du coup. On devrait tous jouer en 240p pour éviter d'avoir trop de détails. Parce que finalement, c'est un peu comme on a un gars super moche dans un film en 4K, tout de suite on a envie de zapper. Ah, et on se rapproche du coup tout doucement de notre objectif. À un endroit où je n'étais encore jamais venu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça se passe? Moi, j'aurais pas confiance. J'ai pas spécialement envie d'aller là-dessous. Parce que là, avec les rochers qui tiennent un petit peu en équilibre, tu sais pas trop comment, ça inspire pas trop confiance quand même. Ah, mais ils ont été intelligents, ils ont fait leur truc en sous-sol. Comme ça, si le rocher s'écroule, ils seront bloqués pour l'éternité là-dessous. Et il fait nuit. Et la dame nous avait dit de ne surtout pas venir la nuit. Ça, c'est beau. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à ma maison. Voilà. Et puis on va aller faire un gros dodo. Il faut savoir jouer RP dans la vie. Donc il faut aller dormir dans son lit. On ne dort pas n'importe où dans Hyrule. Eh ben non. Ça se fait pas, ça. C'est pas bien. Ah oui, du coup, tout à l'heure, enfin hier, je suis allé voir la rediffusion de mon live de Nier, et puis je me suis aperçu que la balance du son était dégueulasse, vu que j'avais refait une scène vite fait. Donc là, j'ai tout refait tout à l'heure. Donc si le son du jeu ou le son de ma voix est trop fort ou pas assez, n'hésitez pas à me le dire surtout, c'est important. Voilà, parce que hier, on n'entendait pas du tout le son du jeu. Et ça, c'est quand même un peu con. Enfin, pas du tout, on l'entendait quoi. Mais quand je parlais par-dessus, on n'entendait rien. Et avec les belles musiques de Nier, c'est quand même un peu dommage. Ah, voilà. Du coup, j'ai fini aussi d'acheter tous les éléments de ma maison. J'ai un magnifique panneau pour dire qu'il y a mon nom. Voilà, que c'est chez moi. J'ai des petits arbustes, des petites fleurs. C'est magnifique. J'ai plein de râteliers d'armes, de boucliers et tout ça. Du coup, j'ai mis les grosses armes. Super forte pour la fin du jeu qu'on va garder de côté. Et puis quand j'ai fini de tout installer, les râteliers, mon lit et compagnie, le monsieur m'a gentiment offert plein de meubles et même des bouquins. Voilà, il a scié des planches tellement fines qu'il a pu en faire des livres. Et ça quand même c'est beau. Ah bah tant mieux. Moi je le trouvais un peu bas le son du jeu, donc du coup je l'ai réaugmenté un peu. Et ça me va mieux. Après, évidemment, ça dépend de l'installation de chacun aussi. Moi, je suis avec mes écouteurs, là. Il y en a qui sont au casque, il y en a qui privilégient les basses, les aigus, les sons du milieu. Donc, du coup, on a tous un peu un son un peu différent. Et c'est bien d'avoir plusieurs retours. Et si ça te convenait, bah, c'est très bien. Ça me fait plaisir. Alors, du coup, cette fois, on va se téléporter directement à la tour. Comme ça, on pourrait utiliser notre superbe paravoile pour aller directement au glacier. On perdra moins de temps. J'y crois à fond. Je sais que ça va marcher. Ah, voilà. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, on se rappelle qu'on a fini le donjon des piafs. C'est pour ça qu'il y a maintenant un petit oiseau qui flotte pendant les temps de chargement. On a récupéré aussi un super pouvoir
qui nous permettra d'éviter de passer 10 minutes à monter des ravins et d'en tomber après. Et ça, quand même, c'est beau. Alors, au sud, c'est par là, on y va. Ok, et eh ben à tout à l'heure. Je sais plus si je suis déjà allé à ces ruines. Bon, a priori, il n'y a pas grand-chose. Non, il y a des ennemis. Oh, on n'y va pas. Il n'y a pas l'air... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ah, c'est là-bas. Tourne un petit peu. Fais pas n'importe quoi non plus. Ok. Voilà. Un petit atterrissage tout en douceur. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Ah, mais elle dort encore. Madame, tu es feignante. Qui va là? Oh, ma journée est terminée. Si tu as besoin de moi, reviens demain. Oh! Elle a pas capté qu'on était déjà demain. La pauvre. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Et si on lui cassait sa glace? Ah, on peut pas. Zut. Zut, zut. Et si on lui pique les fesses? Non, non plus. Elle a pas envie. Alors du coup, on va aller explorer un petit peu les petites ruines qu'il y a juste là. Voir si s'y passe quelque chose ou si c'est juste pour faire beau. En attendant, on peut aussi remettre une tenue correcte, genre celle-là. Voilà, et puis je dois avoir les bottes de sable de mon très cher Tasrock, ou je sais plus comment il s'appelait, un truc dans le genre. qu'on a habilement séduit en lui demandant de nous refiler ses bobottes. Rappelez-vous, encore un grand moment de jeu vidéo. Ouah, qu'est-ce que tu fais, Link? Arrête de faire n'importe quoi, s'il te plaît. Bon, visiblement, il n'y a pas grand-chose ici. J'en suis le premier navré. Oui, non, tu peux plus monter, là, ça y est. Ça marche plus. Ah, là, ça marche. D'accord. Jean-Michel Hitbox a bien fait son boulot. Ah, une graine corrucu. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Ah, faut courir. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne suis pas sûr de ce que je fais, mais je le fais. C'est pour la beauté du geste. J'espère que vous en êtes très heureux. Par contre, Link, faut monter au bout d'un moment, sinon on va plus avoir le temps. Voilà. Ok. Ah, une petite noix. On en a 15 maintenant. Il serait temps qu'on rencontre à nouveau le gros monsieur. Pour qu'il nous déverrouille de nouveaux slots. Ce serait pas mal, hein, mine de rien. Ok, donc là, il y a juste un lézard. Donc on va le snober royalement. Hein. C'est pas comme s'il méritait du respect. Et puis on va retourner à la glacière. Je suis sûr que madame a eu le temps de se lever, de prendre son petit déjeuner, une petite douche, 3,5 tonnes de maquillage, et qu'elle est prête à nous recevoir. Ah, elles sont quand même bien pratiques ces bottes. C'est comme si on courait sur de l'herbe, alors qu'on est dans du sable. Ah bah voilà, madame est levée, ça y est. Alors, c'est notre glacière. Nous y stockons la glace que nous ramenons des montagnes enneigées du nord. C'est une denrée précieuse. Je dois donc veiller à ce que personne ne vienne la voler. Je comprends. J'ai bien vu tes mains bouger, j'ai compris la situation. Si c'est Furosa qui te l'a demandé, alors je ne peux pas refuser. Tiens, prends cette glace. J'imagine que tu y as déjà pensé, mais veille à ne pas trop traîner en chemin, ou la chaleur la fera fondre. Je compte sur toi pour l'amener à Furosa.
Eh ben allons-y vite. Et je pense que normalement je suis censé avoir un phoque des sables, ou je sais plus comment ça s'appelle. Non, même pas. On est sérieusement censé y aller comme ça là? T'es sûr? J'ai un gros doute. On va tenter quand même. N'ayons peur de rien. Il faut savoir tenter l'impossible des fois. Ah oui, le bloc fond dès qu'on passe au soleil. Et a priori, qu'on soit à l'ombre ou au soleil ne change strictement rien. Il continue de fumer. Ou alors ça doit être le froid qui le fait fumer. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il faut rester au maximum à l'ombre. Et du coup, on aurait peut-être dû s'occuper des lézards. On va peut-être avoir des petits soucis. On va essayer de les éviter habilement, mais trop tard, il m'a vu. Ah, on est foutu, ça y est. Du coup, on va tous se les prendre. N'ayons peur de rien. Je suis sûr que ça va passer. On va serrer les fesses comme on n'a jamais serré les fesses et tout va bien se passer. Allez, on y croit à fond. Il y a un petit camp, mais c'est pas grave. On a vu bien pire déjà. Ah zut, il m'a repéré. Ah c'est bon, ça le casse pas au moins le bloc, c'est toujours ça de pris. Alors lui, à s'en occuper. Voilà, allez, vite. Avant qu'il n'y ait plus rien. Ok, on y est presque. Et le bloc n'est pas entièrement fondu. Et ça c'est beau quand même. C'est encore un grand moment de réussite. Ah, apporte la glace ici, vite. Vite, vite, vite. Ne fais pas tout fondre, s'il te plaît. Pitié, qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien. Ah. Qui es-tu? Bah, du moment qu'on me livre la glace, n'importe qui fera l'affaire. Ah, cette glace est en bon état. Sac, sac. Je vais pouvoir préparer un Vaimits Voi dont Porpi me dira des nouvelles. Pourrais-tu aller lui dire que c'est le meilleur que j'ai jamais préparé et que je l'attends? Savoir qu'un cocktail d'aussi bonne qualité l'attend va lui donner des ailes, je te le garantis. Eh ben on va y aller. Ouais. Ou alors c'est peut-être fait automatiquement, non? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Ah non, on nous abandonne ici. Du coup on va aller à la tour, comme ça on pourra y aller en volant. Et ouais, j'ai pensé à tout. Si on peut s'éviter une longue marche dans le désert, ça m'arrange. Comme ça, on se retrouvera pas dans la même situation que l'autre jour, et ça, c'est pas plus mal. Plus jamais ça, s'il vous plaît. On va essayer de se respecter un peu. Je vais me respecter, je vais vous respecter, et tout ira bien. Et ma carte de capture n'a toujours pas planté. Et ça, c'est cool quand même. J'espère que ça durera éternellement comme ça. Même si maintenant j'ai l'habitude de garder un petit œil sur le retour pour voir ce qui se passe, je préfère que tout fonctionne correctement. Comme ça, on n'a pas besoin de s'arrêter en plein milieu pour aller réinitialiser tout ça. Ah oui, du coup j'avais résolu aussi l'énigme des 7 héroïnes. J'avais trouvé la dernière boule qui était cachée, attention spoil, pendant 10 secondes pour ceux qui veulent se garder la surprise, tout en haut d'une des statues. Et ça quand même, c'est pas cool. Elle était là, la boule qui me manquait. Et après, bah, chaque boule a un symbole. Et chaque statue a un symbole identique. Il faut trouver quelle boule va avec quelle statue. Et c'est dans la poche. Le sanctuaire sort du sol. Et après, ça fait un emblème de... un emblème supplémentaire. Qu'est-ce que c'est que ce rocher?
Ce rocher m'intrigue, j'ai très envie d'aller voir ce que c'est, mais d'un autre côté, j'ai pas envie. Ah bah de toute façon, j'ai plus d'endurance. Comme ça, moi, c'est fait. Ah, c'est juste un camp et demi, visiblement. Bon, on va finir à pied. Ah, il fait trop chaud. Alors, petit Link, qui a trop chaud, doit mettre sa crème solaire et son petit serre-tête. Je ne sais pas comment c'est censé s'appeler ça. Une tiare, peut-être? J'en sais rien. Je ne suis pas trop au courant des accessoires de mode, hélas. J'espère que vous me pardonnerez. Évidemment. Oh! Ça y est, lui aussi vient me lécher. Allez, on va le tuer. Quoi, il est encore trop chaud? Il a encore trop chaud? Qu'est-ce qu'on fait, du coup, dans ces cas-là? Est-ce que j'ai un autre truc contre la chaleur? Bah non. Et si je te déguise en femme? Est-ce que ça passe? La tenue de femme, elle est là. Et elle est là. Ah, elle a toujours trop chaud. Mon petit Link a trop chaud. Ah, il va falloir prendre une potion anti-chaleur, j'en ai bien peur. Du coup, les bottes des sables sont ici, l'armure est là. Et on va lui faire boire un coup au petit Link. Cette petite nature. Ça protège contre le froid et contre le chaud, j'ai ça du coup. Pendant 1 minute. Et ben on va faire avec. Allez, il te reste 1 minute pour aller au sanctuaire. J'y crois à fond. Non, toi tu me laisses tranquille par contre. On n'a pas le temps de te casser les fesses. Profites-en bien. Ça ne t'arrivera pas tous les jours. C'est vrai que la dernière fois que je suis venu par ici, il faisait nuit. Du coup, il faisait froid. Et contre le froid, j'ai toutes les protections du monde. Il n'y a pas d'embrouille. Par contre, la chaleur, c'est compliqué. Ah, on y arrive. Et il y a un petit flash lumineux en haut du sanctuaire. Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est peut-être un bug. Ou peut-être un mirage? Eh ouais, vu qu'on est dans le désert, ce n'est pas un bug, c'est un mirage. Non mais qu'est-ce que c'est censé être ce machin? Ah, c'est le reflet d'une texture en fait. Mais vu qu'il est trop loin, ça fait dégueulasse. Et là, il faut se dépêcher parce qu'on n'a plus la protection contre la chaleur. Ah, Link a mal. La chaleur lui fait bobo. Ah, voilà notre prochaine waifu. Ah, j'en peux plus. Je vais finir desséché ici. En fait, t'as un cocktail qui t'attend au village. Hein? Le meilleur Vaimitsvoi qu'elle a jamais préparé? Pas question que je crève ici. Faut que j'y goûte. Ah, et voilà. Elle est repartie en gambadant gaiement. Elle y arrivera sûrement avant nous. Et nous, comme ça, on est tranquille. On peut aller dans le sanctuaire. Voilà. Ah, du coup, on peut le récupérer directement. C'était considéré comme l'épreuve affrontée, ça. Parce qu'évidemment, ce sage savait que quand on arriverait ici, il y aurait une dame qui se serait affalée sur le promontoire où on est censé poser la tablette. Et ça, quand même, il est fort. Il faut le reconnaître. Ce sage pouvait prédire l'avenir d'une manière ultra précise. Bravo! Ah, et ça nous fait 2 emblèmes. C'est pas encore assez pour un nouveau cœur, mais c'est toujours mieux que rien. Ah, d'accord. J'avais jamais fait gaffe à ces signaux de fumée. J'en prends note.
Ah, alors du coup, le grand moment est arrivé. On va aller fouiller la fameuse grande forêt d'Hyrule. Je suis sûr que c'est là-bas qu'on va trouver la fameuse épée purificatrice qui nous fait défaut depuis le départ. Et à chaque fois, vu qu'à chaque fois qu'on continue ça, on nous dit « Ah ouais, je sais pas trop si c'est le prodige parce qu'il n'y a pas d'épée purificatrice. » Du coup, on va la récupérer, comme ça, ils arrêteront de nous faire chier. Ils nous reconnaîtront directement. J'aurai encore plus de waifu. Et ça, c'est cool. Alors, la forêt, elle est au nord. On va prendre le chemin à l'est, du coup. Ça me paraît pas mal. Ah oui, c'était là, d'accord. Ah zut! Il y a un petit orage, visiblement, donc il faut prendre des armes en plastique pour ne pas se prendre la foudre. Il y a du métal là-dessus, donc lui, ça ira mieux. Ah, j'ai oublié de poser le super arc chez moi. Ah bah zut. Voilà, et puis la lance, si elle a une pointe en fer, quand même. Oh, on va tenter. Ouais, non, ça marche pas. Hop, on va prendre ça à la place. Voilà, et là c'est ok. Du coup, on peut aussi enlever les bottes de sable pour mettre un truc mieux. Alors attends. Hop, voilà. Comme ça, j'ai tous mes pantalons à disposition. Puis on va mettre celui-là, hein, tant qu'à faire. Au moins, s'il fait froid, il sera protégé. Hop, et on y va. Ouais! Ok. Donc il ne nous reste plus qu'à aller un petit peu au nord, en espérant qu'on va pas se prendre la foudre sur la tête. Avec ma chance, ça m'étonnerait pas. Mais normalement, ici, les arbres devraient me protéger. Normalement, c'est le point le plus haut qui se prend la foudre, donc tout devrait bien aller. Et toi, tu vas mourir. Voilà. Ok. Alors, comment ça se passe ici? Ah, l'ambiance a changé. Prendre quoi? Qu'est-ce qu'il voulait que je prenne? J'ai pas rêvé. Il y a bien prendre qui s'affiche à l'écran. Bon, d'accord. Pourquoi pas? Alors, comment ça se passe ici? Oh, les bois perdus! Donc les bois qui étaient dans le noir le jour, ce n'étaient pas les bois perdus que je pensais. Ils sont ici. D'accord, bah on va suivre les torches, hein, on va voir ce qui se passe. Parce que si c'est comme dans les autres bois, du coup. Il va falloir aller de lumière en lumière, j'imagine, pour atteindre l'objectif. Et après, là, faut aller où? Qu'est-ce qui se passe ici? On sait pas. Ah, si, là-bas. Oh, il y a des corbeaux de partout. Ah, on peut ramasser une torche. On va ramasser la torche. On va se débarrasser de ceci. Voilà, et à la place, on prend la torche. Et du coup, faut aller où là? Si vous voyez une petite flamme qui brûle aux alentours, n'hésitez surtout pas à vous manifester. Parce que là, moi, j'en vois pas. Bah écoute, on va allumer ça et puis on va continuer. On verra bien ce qui se passe.
Ah, par contre, le framerate, là, ça y est, il est parti. Non? Comment ça se passe ici? Attends, il doit y avoir un truc que j'ai loupé. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, c'est là d'où je viens. Ah, il est bizarre cet arbre. Ah, on dirait qu'il fait une sale tête quand même. Je sais pas trop si vous le voyez, mais... Ah, j'en prends une photo souvenir du coup. Du coup, il m'inspire pas confiance, lui. On va peut-être l'éviter. J'y comprends rien. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, faut peut-être suivre les arbres comme ça, alors, du coup. Faut pas suivre les arbres super larges parce qu'ils ont une sale gueule. Par contre, si on reste à côté des arbres normaux, c'est safe, c'est ça? Comment ça se passe? Oula. Parce que là, il n'y a plus d'arbres normaux. On est d'accord? Qu'est-ce que je fais? Ouah, c'est compliqué. Et du coup, on va essayer de partir, je sais pas. Où c'est qu'on peut aller? On pif par là. On va voir ce qui se passe. Ah! Visiblement, c'était pas ça. Donc, il y a bien une logique. Donc mon histoire des arbres qui sont d'une certaine forme n'est peut-être pas si stupide que ça. Du coup, on veut, pour confirmer ça, on va essayer de piffer. Si on part sur les gros arbres là-bas, qu'est-ce qui se passe? Passe rien? Ah. Sanctuaire à proximité. Ah! D'accord. Donc visiblement c'est vers le nord. Donc on va essayer de rester vers ces arbres là cette fois. Un peu. Non mais il n'y a pas l'air d'y en avoir d'autres par là. Ouais non reviens, reviens, reviens. Ok donc visiblement fallait vraiment rester vers les arbres par là-bas. Si j'ai bien compris. Donc là cette fois on va essayer de piffer par là. Ouais, non, il n'y en a pas d'autre. Donc on va partir là. Ok. Si on revient par là, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça. Là, je tourne en rond. Ok. Et là après par contre, j'en ai aucune idée. Du coup ça doit pas être celui-là. L'autre là-bas il a l'air safe, non? On va essayer d'aller voir. Est-ce qu'on peut y aller comme ça? Oui. Ah, ça passe. Ok. Et là après? Ici. Ok.
Ah, visiblement, on se rapproche. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, il y a des animaux aussi. Ah, mais ce brouillard! Le brouillard est pénible. Ok, donc lui on peut s'en approcher. Ah non, visiblement c'était pas celui-là. C'était pas celui-là. Ah, il nous ramène là en plus. Ah, ça c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'en plus j'ai pas mémorisé la route. J'ai pas du tout mémorisé la route. Ok, donc on va partir par là. Et c'est bon, j'ai compris la logique. En fait, apparemment, les arbres, là, ils sont un peu plus rouge-marron, alors que ceux qui ont des visages dégueulasses, ils sont verts. Donc faut rester à côté des rouges, si j'ai bien compris. Enfin, des marrons. Ok. Donc lui là-bas, c'en est pas. Là-bas. Là-bas, ça m'a l'air ok. Ah, non, c'était pas ok. On va y arriver. J'y crois à fond. Allez. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que je fais, moi? Si je commence à faire n'importe quoi en plus, on va pas s'en sortir. Alors. Bon, c'est pas ça. Ah bah zut, j'ai perdu le chemin, ça y est. Je ne sais plus où je vais, c'est officiel. Ah mon Dieu, quelle horreur. Ah bah je suis revenu au début, d'accord, tout va bien. Bon, j'espère que c'est bien là qu'est l'épée et que c'est pas juste pour un petit sanctuaire de merde. Sinon, là, je vais péter un câble après. J'annonce. C'est. Ah, mais zut, c'est où la suite? C'en est pas un, lui, non. Lui, il est méchant d'arbre. C'est pas ça. Attends, on va revenir à celui d'avant. C'est lui là-bas, c'est ça? On va essayer. Ça a l'air d'être ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc là, c'est ok. Et du coup, on va sur celui-là. Après, c'est lui-là. D'accord. Ah non? Pourquoi? Ah, j'ai pas compris là, par contre. Il y a un truc qui doit m'échapper. Il y a complètement un truc qui m'échappe. Qu'est-ce que j'ai pu louper? J'en sais rien. Si quelqu'un a une proposition sur ce que j'ai pas compris, qu'il n'hésite pas à se manifester. Parce que bon, c'est pas qu'on s'éclate pas là, hein. C'est génial, c'est super fun, c'est le jeu parfait, tout ça. Par contre, c'est compliqué. En plus, depuis tout à l'heure, j'ai une veine au-dessus de l'œil qui arrête pas de sauter, de faire n'importe quoi. C'est super désagréable.
J'espère qu'elle va finir par s'arrêter. Ok. Alors, à droite ou tout droit, là, qu'est-ce qu'on fait? On va tenter là. Ah non, il est vert, lui. Ah, mais là, il y a un arbre rouge. Ok. Et après? On est où, là, par rapport à l'arbre mojo? Ah, il y a encore une trotte, hein, quand même. Parce que moi, je situe l'arbre mojo à peu près ici, hein. Quoique, on est presque sorti du bois, là, en fait. Il y a peut-être moyen qu'on soit juste à côté de la sortie. faut juste la trouver. Là-bas. C'est le seul arbre que j'ai en visuel, en tout cas. Celui-là, ça m'a pas l'air bon. Celui-là. Celui-là non plus. Bon, on va tenter l'autre là-bas, hein. Ah, c'est passé. Ok. Ah, visiblement, il y a moins d'arbres. Donc là, faut aller là-dedans, je suppose. Et le sanctuaire. Il y a un sanctuaire pas loin, visiblement. Et il n'y en a pas d'autre. Non, il n'y en a qu'un. Mais j'ai peur de me faire re-téléporter si je sors de la route, en fait. Ok. Ah, on est sorti du bois, apparemment. Oh! Des Korogus. Ah bah, visiblement, alors, on est arrivé au fameux village des Korogus. Ah, forêt Korogus, ouais, c'est ça. D'accord. Comment ça se passe? Ah, des fruits d'oiseaux. Ah bah super. Par contre, le framerate, là, c'est compliqué. Et on peut pas leur parler à ces petites bestioles, non? Non, ils s'enfuient. Ils ont peur. Oh, l'épée! Ah bah la voilà. De toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qu'il nous reste. Je t'en prie. J'ai dû m'assoupir un moment. C'est toi. Alors, te voilà enfin de retour. J'attendais ta venue. Je l'ai attendue 100 ans. Pour tout te dire, je commençais à trouver le temps long. Tu ne te souviens pas de moi, on dirait. Eh bien... Je suis un vieil arbre qui veille sur les terres d'Hyrule depuis des temps immémoriaux. On m'appelle l'arbre Mojo. Voici l'épée forgée par la déesse des temps anciens. La lame purificatrice que seul le preux chevalier élu de l'épée saura brandir contre le fléau Ganon. Il y a 100 ans, ce preux chevalier qui a brandi l'épée divine, c'était toi. Mais je dois t'avertir. L'épée ne se laissera pas revendiquer sans une petite mise à l'épreuve. Je ne saurais dire si tu es toujours digne de la porter. Mais sache que tant que tu n'auras pas retrouvé toutes tes forces, tu y laisseras la vie
si tu tentes de l'arracher de son socle. La prudence est de mise. Ah, encore une grosse voix française. Si tu veux arracher cette épée à la pierre, il te faudra faire usage de toute la force qui sommeille en toi. Voyons si tu en es capable. Ah, on va sauvegarder quand même avant. Non pas que j'ai pas confiance, mais je préfère être sûr quand même. C'est quoi ces machins? Au pire, c'est un... Ok. On essaye de la retirer. Qu'est-ce qui se passe? Maintenir. Ah, on y est presque. Ah, visiblement, on n'est pas assez fort. Il doit pas manquer grand-chose. Alors, attends. Est-ce que j'ai un truc qui me rajoute des cœurs? Oui. Oui. Récupération totale, plus 4 cœurs. On va essayer avec ça. Allez, j'y crois à fond. Comment ça se passe? Ah non, mais d'accord. Ça les comptabilise pas, les 4 cœurs en plus. Ah zut! Ah bah il est mort. Game over. Voilà. C'était Link qui est mort comme un caca. Recommencer depuis la dernière sauvegarde. Bah ouais. Bon bah visiblement il va falloir continuer un petit peu et trouver un cœur en plus. Alors, il me semble qu'il y a un sanctuaire à proximité, hein. Ah, notre ami le gros, vas-y, donne-nous des slots en plus. Ah, on va agrandir celui des armes. 12 noix ? Waouh ! Ah, la violence ! Ah ouais, c'est cher, hein. Bon, il y a la musique, alors ça passe. Ah. Ok, on va se prendre un truc en bouclier en plus aussi. Bouclier. 2 noix. Ok. Il en reste pour les arcs ou pas? Ah, une noix pour l'arc. Bah vas-y. Comme ça, on aura tout dépensé. Ok. Bon, du coup, le sanctuaire... Où il est? Oui, non, pas par là. Par là? Non, comment ça se passe? Ah, il est là. Eh ben allez, une petite énigme, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'énigme. Ça nous manquait. Il en fallait une. Eh ben oui, normal. Hop. Étoile en ombre. Ouah, il y a plein de boules. Enfin, plein de boules. Plein de trous.
Là aussi. D'accord. Et il y a 4 boules, a priori. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les étoiles seront ton guide. Avec ton destin, leur nombre coïncide. Ça veut dire quoi? Que j'ai 4 destins? J'ai rien compris. Les étoiles seront ton guide. Avec ton destin, leur nombre coïncide. D'accord. Bon, on va essayer de faire un truc au pif. Hein. On sait jamais. Alors, à dire, celle-là. Voilà. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, donc ça doit être les étoiles, et leur nombre coïncide. Donc il faut les placer là où il y a le 4. Ça doit être une histoire comme ça, j'imagine. Alors, ça marche? Eh ben non. Il se passe rien. Du coup, c'était pas ça. Alors, et si on en met juste une ici? Non plus. Oh! Bah plutôt ça en fait. Comme ça fait deux ici et deux de l'autre côté. Ok. Et donc là du coup... Toc! Voilà. Et l'autre. Bon, dis-moi que c'est ça parce que j'ai pas d'idée. Non? Toujours pas. Oh. J'ai aucune idée de ce que peut être la solution. À moins qu'il y ait encore des boules cachées quelque part. Ça, c'est autre chose. Les étoiles seront ton guide. Avec ton destin, leur nombre coïncide. Non, ça marche pas. il fallait que j'essaye quand même. Mais non, c'est pas ça. Bon, visiblement, c'est pas ça non plus. Est-ce qu'il y a une boule cachée ici? Non. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a juste la sortie, hein, on est d'accord. Il n'y a rien d'autre. Ok. Ok. Et du coup, si on les sort toutes du compartiment, là, qu'est-ce qui se passe? Et qu'on n'en laisse qu'une en face de la bonne rangée. Bon, visiblement, ça marche pas non plus, si on en met une là aussi. Non plus. Et si on les rapproche de... De la lumière, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça n'a pas l'air d'être ça. Et si là, du coup, on en met une deuxième? Et si on tire une flèche là-bas dedans? ok. Et si on met... Notre truc ici. Ça n'a pas l'air d'être ça. Hmm.
Je vais essayer de toutes les aligner. On sait jamais, des fois qu'il se passe un truc. Comme ça, ça ferait 1, 2, 3, 4. Bon, il manque toujours le 5, mais... Et si on se met dans le 5? Non, ça marche pas. Si on se met dans le 5 avec une bombe? Bon, visiblement non. Les étoiles seront ton guide, avec ton destin leur nombre coïncide. Ouais. je veux bien résoudre l'énigme sur une coïncidence. Ça, ce sera mon destin, je pense. Du coup, les étoiles, ce serait ça là-bas. Les étoiles seront ton guide, avec ton destin leur nombre coïncide. Où c'est qu'on a un truc à 4 branches? Enfin, 4 trous. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beaucoup trop. 1, 2, 3. Ça marche pas bien. 1, 2, 3. Ah, c'est compliqué. Non, c'est pas ça. Non plus. Ok. Alors. Alors. Ah, moi que j'ai pris le problème à l'envers. En fait, peut-être que les oranges doivent rester oranges du coup ici. Et du coup, il faut mettre en bleu tous les trous. Après, il faut trouver un truc qui corresponde. 2, 4, 5. 5 par 2. Ça fait 5 par 4. Celle-là, là, elle pourrait correspondre à la limite. On pourrait éventuellement retrouver les 4 rangées. 1, 2, 3. Ouais, non, ce serait trop compliqué par contre d'avoir les 5. Ok, et là-bas, qu'est-ce qu'on a là-bas? Peut-être celle du milieu, non? Attends. À quoi ça ressemble ça? 1, 2, 3, 4, 5 au niveau vertical, et 1, 2. Ouais, non, ça marche pas non plus.
Ah, j'en ai, mais vraiment aucune idée, je sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut arnaquer l'énigme? Voilà, ça c'est l'étape supérieure. On peut arrêter le temps des boules, visiblement. Est-ce que ça peut servir à quelque chose? Ouais, on va essayer ça. On va totalement essayer ça. On va voir ce qui se passe. Bon, je suis pas sûr d'être bien droit, mais bon, c'est pas grave. Ok. Ça a rien fait, on est d'accord? Non. Bah, je sais pas. Je sais pas du tout. Du coup, on va réinitialiser la salle. Forcément. Mais je peux même pas partir d'ici, sinon je vais devoir me retaper l'énigme du bois perdu. Et ça, c'est non. Quoique, est-ce qu'on peut se téléporter ici? Position actuelle, ouais. Ah, on peut se téléporter quand même. Ah, bah tout va bien en fait. Du coup, on va aller explorer le village. Et puis, on va faire comme si ce sanctuaire n'avait jamais existé. Ah, un petit éventail, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Ah bah voilà, ça fait du bien quand même de respirer un petit peu d'air frais. Et puis de mettre son cerveau sur off. Surtout après une énigme pareille. Qu'est-ce que c'est ça? Bouclier des Sylvains. Ah, c'est bien ça. Fabriqué pour les humains par les Korogus dans un bois particulièrement robuste qui ne pousse que dans la forêt Korogu. Ce bouclier est bien plus solide qu'il n'y paraît. Ah, bah, génial. Ah zut. Ah mais non, je veux la lance aussi. Du coup, on va se débarrasser de la lance, des pigeons, et puis on va prendre une vraie lance, qui a un point d'attaque supplémentaire. Ok, après, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, une petite quête annexe. Waouh, waouh! Mais, tu es le héros? Ouais, le héros est parmi nous. Le héros est venu dans la forêt. J'ai inventé une épreuve rien que pour toi, ami héros, pour que tu deviennes plus fort. Tu n'as pas besoin de combattre, ni même d'avoir peur. Mais attention, il te faudra quand même être prudent. Alors voilà, j'aimerais un rumi. Ils sont à peu près grands comme moi, tout bleus, et ils brillent tout dans la nuit. Ils brillent dans la nuit. Pourrais-tu me montrer une image d'une de ces créatures? Ah bah bien sûr. Dès que j'en vois un, je le prends en photo. Il me semble qu'il y en avait un vers Cocorico. Il faudra y aller de nuit, du coup. Oh, j'étais sûr que tu accepterais. Je suis content, merci. En fait, je ne sais pas trop où ils vivent, mais je sais qu'ils sont agiles et qu'ils brillent. Et puis qu'on les appelle des rumis. Je me demande à quel point ils sont brillants. Ça m'intrigue.
Si tu me montres une image d'une de ces créatures, je te donnerai un cadeau. Bonne chance, ami héros. Ah, super. Waouh, lui, il a une tête bizarre. Non, Dune, tu es impossible. Le héros? Le héros est parmi nous. J'ai commencé à me poser des questions quand le champignon sur ma tête s'est mis à pousser subitement. C'était donc un présage de ton arrivée. Je plaisante, bien sûr. Oh, héros d'Hyrule, les Korogus ont préparé des épreuves tout spécialement pour toi. Elles sont d'une difficulté sans égale. Mais si tu les réussis, tu pourras retirer l'épée de légende comme si elle avait été plantée dans du beurre. Enfin, espérons. Bien, bien. Souhaites-tu te soumettre aux épreuves Korogus que nous avons préparées pour toi? Ah, mais bien sûr. Oh, comme tu es naïf d'accepter une telle demande sans même savoir de quoi il s'agit. Cela te jouera des tours. Pour revenir à notre sujet, que sont les épreuves Korogu? C'est un rite de passage à l'âge adulte au cours duquel il faut faire le tour des sanctuaires de la forêt Korogu. Ah, parce qu'il y a plusieurs sanctuaires. Épreuve numéro 1. Au sud-ouest, l'épreuve du fer. Épreuve numéro 2. Au nord-ouest, l'épreuve des fleurs. Épreuve numéro 3. À l'est, l'épreuve du feu. Tu dois surmonter toutes les épreuves pour devenir le véritable héros. Il y a une récompense à la clé, bien sûr. Cède à ta cupidité, sois matérialiste, et que ta détermination te pousse à remplir ta mission. Ah, grosse leçon de morale, hein. Merci les Korogus. Ah, super, bon courage. Lui, je l'aime bien. Je pense qu'on peut bien s'entendre. Ah, ami héros. Wouah. Tu ne serais pas le héros par le plus grand des hasards? Bienvenue dans la forêt Korogu. Tu es encore plus chevaleresque que je l'imaginais. Ami héros, j'ai envie que tu sois encore plus fort. Alors, j'aimerais te soumettre à une épreuve. Alors, veux-tu relever mon défi? Ah, ça marche. Merveilleux, c'est merveilleux. Tout ce que tu as à faire, c'est de me montrer une baguette qui fait de la glace. Ah, mais j'en ai plus. Il suffit de l'agiter et ouf, le pouvoir de glace qui l'agite congèle les méchants sur place. Il paraît que les sorciers de glace font souvent des vilaines choses avec ces baguettes. Ami héros, moi aussi je suis sûr que ces baguettes te rendraient encore plus fort et chevaleresque. Ah, mais je sais où il y a un magicien de glace. Juste à côté de la tour, on s'est téléporté au début. Ouais. Quoi, c'était quoi ça? Branche d'arbre. Ah bah non, on s'en fout. J'ai pas besoin de branche d'arbre, moi. Ok, comment ça se passe là? Je suis en train de sortir de la forêt là, non, c'est ça? Et ils sont où tous ces sanctuaires? Ils sont dans la forêt ou comment ça se passe? Peut-être que si j'active la quête, il va me l'indiquer. Les sœurs de pierre, non, c'est pas ça. Donc c'est une quête normale. Ah, les épreuves Korogu, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe? Ah oui, d'accord. D'accord. Ah bon, on va aller voir. Celle à l'ouest. Du coup. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, c'est censé être un grillon, c'est ça? Non, j'en sais rien. Bon, bref. On va pas rester là 40 ans non plus. On dirait tellement une scie ou un truc comme ça. Ah mais non, là je suis de retour dans les bois perdus. Ça va pas ça. Alors attends, est-ce qu'on peut continuer à y aller comme ça? Ou bien, c'est quoi ça? C'est des champignons. Non, des fleurs. J'ai pas peur. Yeah. Ça va pas? Tu m'as fait peur? J'ai senti ma sève se glacer tellement tu m'as flanqué la frousse. Je vais subir l'épreuve tout seul. J'ai pris ma décision et puis c'est tout. Ah, et elle est où ton épreuve?
Il va s'en sortir tout seul. Oh, dis-moi, tu es le héros? Oui, c'est toi, hein? Dis, tu vas subir l'épreuve Korugu? En effet. Ah, je le savais, j'en étais sûr. Alors attends. J'ai un service à te demander, un tout petit service. Mon tout petit, tout mignon, Azeti, est parti subir l'épreuve Korugu. Lui qui ne me quitte jamais d'habitude, il a tenu à partir tout seul. Tout seul! Alors je l'ai laissé y aller, je n'avais pas le choix. Quelle tête de mule, mais ça ne m'empêche pas de m'inquiéter. Ah, comme j'ai peur qu'il se perde. Ah, comme tout le monde est grand. J'aimerais donc que tu le suives. Oh, il ne faut surtout pas qu'il te voie. Non, surtout pas. D'accord. On va le suivre. C'était le gamin là-bas, c'est ça? Ah, mais j'ai une tenue d'infiltration maintenant, c'est vrai. Il faut mettre la tenue d'infiltration quand on s'infiltre, c'est important. Voilà, hop, admirez-moi ça. Cette tenue absolument magnifique. Link est désormais un ninja. Voilà, vitesse dans la nuit augmentée. En plus, ça c'est le bonus du costume. Mais non, ça n'a pas bougé, t'inquiète pas. Tu peux y aller, petit Korugu. Je te protège. Mais oui, tout va bien. Ah, je l'ai perdu de vue. Il est là. Heureusement qu'il y a la bulle de dialogue. Sinon, je le verrai plus. Ah si, il est là. Ça y est, ok. Avec ce brouillard, on y voit que dalle. Bon, faut juste pas qu'il se retourne, par contre. Ok. Ah, cette phase d'infiltration se passe assez bien. Et ça, c'est cool. Ah, c'est sûrement par là. Vas-y. Je te suis. Ne panique pas. Tout se passe bien. On va y arriver. Tous les deux. Je te protégerai en cas de problème. Ne panique pas. De toute façon, avec ma super tenue, maintenant, je ne fais quasiment aucun bruit. Et ça, c'est cool. Il ne risque pas de m'entendre. Ah, par contre, il peut entendre les objets qui tombent derrière lui. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Ok, donc là on est pas mal. On va continuer de le pister doucement pendant qu'il regarde des jolies fleurs. Et j'espère qu'on y est presque. Le bip bip est actif depuis maintenant un petit moment. Seulement vu qu'on se déplace tout doucement, c'est pas sûr qu'on soit proche de l'arrivée. Ah zut, caméra. Voilà, on va contourner le tronc d'arbre au cas où il a envie de se retourner d'un coup. Comme ça, on va pouvoir continuer à le pister discrètement sans qu'il nous voie. Et visiblement, il est parti par là-bas. Ah, il est là. Ok, donc tout se passe très bien. Le radar nous indique qu'on est très proche du sanctuaire. Non, il n'y a personne. Arrête de faire n'importe quoi, continue de marcher. Un fantôme. Et qu'est-ce qu'il a? Il fait demi-tour. Zut, vite. Vite. Non. T'as vu personne. C'est pas vrai. Tout se passe bien. Ah, du coup, le fantôme ne lui fait plus peur vu qu'il a cru m'apercevoir. En fait, son fantôme était juste l'ombre d'un arbre. Ah, formidable. Et on va pouvoir continuer à y aller discrètement. Là.
très peur que la chaîne, que la quête soit échouée là. Visiblement. Ah, il m'a attendu. Ce Koroku est un brave petit et je l'en remercie. Ah, par contre là je sais plus du tout où il est. Ah, il y a le sanctuaire par contre. Ah, voilà le sanctuaire. Ça va. Vous voyez, mon arme qui brille en bleu est d'une discrétion absolue parce que je suis déguisé en ninja. Il ne peut pas me voir comme ça. Ok. Et là, c'est bon, c'est fini ou bien qu'est-ce qu'on fait? Je suis enfin arrivé. Ah, formidable. Du coup, il sautille, il est content. Qu'est-ce qui se passe? On peut aller lui parler, c'est bon? Ouais, ça a l'air d'être bon. Ah, je suis arrivé, j'ai fini l'épreuve. Hein? Qui es-tu? Oh, ça par exemple, tu es le héros? Ami héros, j'ai réussi l'épreuve. Et tout seul, oui, oui. Tout seul. Ah, au fait... une bénédiction t'attend dans le sanctuaire. C'est le vénérable arbre Mojo qui l'a dit. Alors, tu y vas, hein? Ah bah bien sûr. On va chercher ça. Au moins, on n'a pas d'énigmes très obscures à résoudre. Enfin, j'espère en tout cas. Sinon, ce serait quand même bien la loose. Mais normalement, il devrait me la donner tout de suite. Si j'ai bien compris la logique du jeu, il ne devrait pas y avoir de soucis. Non, non, non. Allez. Ok. Ah, super. La fameuse bénédiction de Dashokahi. Shokahi, on le rappelle, le fameux cousin éloigné de Shokapik. Ou pas, on ne sait pas. C'est juste une légende et personne ne peut affirmer ou infirmer cette rumeur. Voilà. N'oubliez jamais, une rumeur, c'est facile à balancer. Par contre, pour prouver le contraire, c'est compliqué. Ah, qu'est-ce qu'il a le Polaris? Utilisez ce module pour déplacer... Merci. Je pense que j'ai assez joué pour savoir ça quand même. Au bout d'un moment, il faudrait quand même que le jeu adapte ses petits conseils pendant ses temps de chargement, plutôt que de les faire totalement au pif. Ça nous inciterait à lire un peu plus ce qui se passe. Parce que du coup, là, bah, j'ai pas du tout lu le deuxième, vu que le premier était complètement inutile. Ok. Ah oui, d'accord, on a traversé toute la forêt, en fait. D'accord. Ah bah bravo. Bah, on va retourner là. Et puis on va se diriger vers la deuxième épreuve. Comme ça, si on peut récupérer encore un petit emblème, on pourra avoir un cœur en plus, il me semble. Vu qu'on en a 3 plus 1, normalement ça fait 4. Avec mon master, je pense que je peux... que cette addition est correcte. Et du coup... et du coup, on pourra avoir un cœur en plus et retenter l'épreuve de l'épée. Et j'y crois à fond, vu qu'on n'est pas bien loin. Ça, j'en suis sûr. Il n'y a pas d'embrouille. On l'a presque retiré, il manque pas grand chose. Ah zut, j'ai loupé la grenouille. Vite les grenouilles. Oh, j'ai loupé toutes les grenouilles. Et ça, encore une fois, c'est la faute à la manette. Non, c'est pas vrai, je suis une mauvaise foi. Ça peut pas être la faute de la manette. Vu que la manette n'a rien fait, c'est parce que la console laguait, évidemment. Le framerate était trop bas. Du coup, j'ai vu les grenouilles trop tard. Et le temps que je me mette en route, bah c'était foutu. Il faut se rendre à l'évidence. Bon, comment on fait pour se rendre? On va essayer celle au sud-ouest, du coup. Voir si ça se passe mieux. Je suis sûr que le passage est prévu comme ça. Bon, comment ça se passe ici? Hmm.
Ok. Donc là, on arrive sur le point. Ouais, le sanctuaire serait par là, non? Il y a une lumière qui... Ça doit faire un dépopée du brouillard ou un arbre, en fait, et du coup, on doit voir la lumière, sûrement. Tout va bien. Alors, comment ça se passe ici? Oh, un alien qui essaye de passer les épreuves Korogu? C'est grave, grave ou c'est pas grave? Oh non, on s'en moque. Tu veux te soumettre aux épreuves Korogu? Ah, mais bien sûr. Waouh, tu vas vraiment le faire? Oh là là, c'est fantastique. Alors écoute bien. Je vais t'expliquer en quoi consiste l'épreuve d'ici. Sois attentif et ouvre bien tes longues oreilles. Tout ce que tu dois faire, c'est avancer dans la forêt sans te perdre dans la brume. C'est facile, hein? C'est facile. Ah, j'ai hâte. Et pourquoi me regardes-tu comme ça? Pourquoi cet air mécontent? Mais enfin, ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. J'ai un indice pour toi, tu vas bien aimer, tu vas voir. Ah, vas-y. L'arbre rongeant le fer connaît la direction. Seras-tu sensible à son pouvoir d'attraction? Alors j'étais comment? Tu ne trouves pas que c'était épique? Garde bien ces mots en tête, et en route. Est-ce qu'on peut faire péter ça? Non, on peut pas, a priori. À moins que j'ai mal lancé. Non, ça ne pète pas. Donc c'est juste pour se repérer. Il n'y a pas de minerai à la clé. C'est dommage. Ok, donc a priori c'était par là. D'accord. Après, le suivant. Le suivant, il est où? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un squelette. Ok, celui d'après, il est où, là? Ah, il est là. Il est complètement là. Alors... Ah non! Ah, zut. A priori, il fallait pas que je contourne cet arbre. Ok, bah, y a plus qu'à recommencer. Hein. On est reparti. Forcément, si on sprint, ça se désactive. Ça se comprend, même si c'est un peu chiant. Bah, il est où celui d'après? Allô? Ah bah bravo. Ah, il est là. Donc quand on le perd de vue, le premier sera un petit peu sur la droite. Après, c'est là. Ok. Là, c'est là-bas. Par contre, on est tellement en 20 FPS. Ah, là, c'est là. On est complètement en 20 FPS. Hein. Le jeu, il en peut plus. Ok. Donc là, c'est là-bas. What? Ok, et donc là, normalement, c'est fini, c'est ça? Faut voir ici. Dépose en mon sein le bouclier ancien que protègent les monstres ressuscités. Un bouclier ancien? Où c'est qu'il a vu ça? Os, Espadon, Albert. Ah, bouclier rouillé. Hop. Ah bah je peux le ramasser. Y a pas d'embrouille.
Ah, et du coup, il faut prendre le bouclier. Et comment on le... jeter? Ok. Là, il y a un coffre. Un radeau. Un autre arbre. Oh, j'en ai pas. Libellule piment. Pour résister au froid, d'accord. Ok, alors qu'est-ce qu'il veut celui-là? Donne mon coffre au trésor en offrande. T'es sérieux? Faut retourner chercher le coffre? Eh ben on va chercher le coffre hein, s'il faut le coffre. Y a pas de souci, moi ça me va très bien. Mais est-ce qu'on peut soulever le coffre? Déjà, grosse question quand même. Comment ça se passe? Bah oui, avec le pouvoir, je suis con. Vas-y, monte là-dessus. Voilà. Donc là, on le met là. Du coup, on repart là-bas. Bon, pour l'instant, ça va. Ils me font pas trop fumer le cerveau. Ok, donc c'était ça, y a pas de souci. Ah, et du coup on a le sanctuaire, ça y est. Ok. Ah, des canards. Ah, trop tard. Ils ont eu de la chance. Ils vont pouvoir survivre. Et ça, c'est beau quand même. Alors, vas-y, active-toi. Hop, on va dedans. Et puis, ben, ça nous fera la quatrième emblème. Par contre, il va falloir qu'on retourne prier un coup. Ben, on va aller à Cocorico pour prier. On va complètement aller à Cocorico pour prier. Cœur antique géant. Ah, il est rare d'obtenir ce composant, un noyau d'énergie issu de technologies anciennes aujourd'hui disparues. Les savants lui trouveront sûrement une utilité. D'accord. Et ben voilà, tout va bien, on est cool. Peut-être que d'ici 5 minutes, on aura l'épée purificatrice, mesdames et messieurs. Et ça, quand même, c'est beau. Ça fait bien plaisir. Peut-être qu'on l'aura, mais peut-être qu'on l'aura pas, on ne sait pas. Ça va être la grande surprise. Sinon, il va falloir encore faire 4 sanctuaires. Il va falloir les trouver, parce que je ne sais pas où ils sont. Il y en a juste un que je n'arrive pas à compléter dans les bois perdus. Par contre, il en manque 3 autres. Alors, Cocorico est ici. Ah, encore un petit temps de chargement. Il n'y en avait pas eu assez. Attaque chargée. Ok, préparer une attaque chargée. Ah, ouais, d'accord. Ah, jeter son arme. C'est utile de jeter son arme quand elle est juste sur le point de se casser, parce que quand on donne un coup avec une arme qui se casse, ça fait un coup critique, et quand on jette son arme, ça fait aussi un coup critique. Donc quand on jette une arme qui se casse quand elle touche l'ennemi, ça fait double coup critique, et ça fait ses dégâts, mon gars.
En général, le mob, il est content d'être venu. Alors, du coup, c'est 10h du matin, et ma lance est sur le point de se casser. Donc si c'est 10h, il n'y aura pas la bestiole bleue au-dessus. Il faudrait dormir un peu. Donc on va aller prier, on va attendre la nuit, et on va voir si on voit la bestiole. Ok, allez vas-y, donne-moi vite un cœur. Un cœur de plus. Oui. Et j'espère que ça va suffire. Ça fait combien de cœurs? 2, 4, 6, 8. Oula, pas sûr que ça suffise. J'en sais rien. On va voir. On verra bien. Ok. Non, tu veux pas attendre là? Ah si. Jusqu'à la nuit. Ok. Il est 21h. Il fait nuit pour de vrai. Et on va pouvoir aller regarder si la bébête bleue est parmi nous ou pas. Ah et du coup, c'est vrai qu'il court super vite en fait. Il fait pas semblant. Hein. Ah, les tenues ninja, c'est pas mal. J'approuve. Ah, du coup, on va presque aussi vite qu'un cheval, en fait. J'en suis sûr. Oh, d'ailleurs, en parlant de cheval. Ah, visiblement, il n'y a pas la bébête bleue. Dommage. Ah, si. Vite l'appareil photo. Est-ce que tu le reconnais ? Romy. Oui, vas-y. Il l'a reconnu? Il l'a reconnu. Voilà. Et du coup, si on lui tire une flèche dessus, il va nous laisser des rubis. Oh, trop tard. Voilà. En même temps, je vais regarder vite fait avec la fée si je peux améliorer un truc. Ah, bonjour waifu numéro 12. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Il était temps de te sortir du placard. Alors, eh ben non, t'as rien pour nous. Ah ouais, bah adieu. Et du coup, il manque toujours le pantalon du Link de Twilight Princess, qui sent le fauve, d'après la légende. Ah, il y a des carottes. On n'est pas venu pour rien. Voilà. Je rappelle, les carottes, quand on en fait cuire 5 ensemble, ça fait un petit plat qui se revend 420 rubis. Et ça, bah... faut pas passer à côté. Alors du coup, on était dans la forêt. Voilà. On va aller lui rendre sa quête à l'autre. Et puis on va vérifier si on trouve le troisième sanctuaire du coup. Ça me paraît pas mal comme plan. Alors, le journal est ici. L'épreuve des rumis. Ah, il est là. Hein? Je suis pas dessus, là? Ah, non. Ah, il y a même un magasin. Ah, bah c'est cool. On va pouvoir aller au magasin. Si j'arrive à trouver le bon chemin. Parce que cette forêt n'est pas très ordonnée quand même. Ça c'est pas cool. Ils auraient pu tracer des routes correctement. Attends, je suis en train de tourner autour de l'arbre mojo. T'es en train de me dire qu'il faut monter dedans? C'est ça? Comment ça se passe? Peut-être dessous? Non, dessous ça a pas l'air.
Au-dessus, je suis pas convaincu non plus. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non mais qu'est-ce que tu fais, Link? Link escalade les plafonds maintenant, c'est une nouveauté. Ah, là je suis juste à côté du commerce. Du coup, faut monter, c'est ça? Ah, c'est la lune rouge. Est-ce qu'on n'avait pas une quête à faire à la lune rouge? Vite. La lune de sang. Est-ce qu'il m'indique où c'est? Dis-moi que tu m'indiques où c'est, s'il te plaît. Ici. Ouais, mais est-ce que je vais avoir le temps d'y aller? Ça va être chaud. Il n'y a pas de tour à côté. On va tenter, mais... J'y crois moyen. Bon, avec ma tenue ninja, ça va bien passer. Et du coup, oui, tout à l'heure, je parlais des chevaux. Vu que je disais qu'avec la tenue ninja, on courait plus vite qu'un cheval, il faut que je vous reparle de Petit Tonnerre, du coup. Il est arrivé quelque chose avec Petit Tonnerre. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous disais que Petit Tonnerre... Ah, il y a la cinématique. Passe. Merci. Que Petit Tonnerre était aussi un cheval extrêmement fidèle et qui m'attendrait jusqu'à la mort. Et puis, bah, finalement, j'ai capturé un autre... Ah non, la lune, elle est redevenue normale. Oh, ça va pas marcher, alors, du coup. Comment ça se passe? On va essayer d'y aller. Mais... Et du coup, j'ai capturé un nouveau cheval. Et au moment où je l'ai enregistré au relais, eh ben, Petit Tonnerre a complètement disparu de la surface de la Terre. Il s'est barré, il est retourné à l'état sauvage. Donc, l'autre fois, je vous avais demandé de féliciter Petit Tonnerre, notre fidèle destrier noir. Eh ben, aujourd'hui, je vais vous demander de le huer. Parce que les chevaux qui ne sont pas fidèles ne méritent aucun respect. Voilà. Et du coup, vous allez dire... Mais t'as attrapé un nouveau cheval, mais pourquoi faire? Alors que t'avais Petit Tonnerre. Eh ben ouais, mais c'était un cheval tout blanc que j'ai attrapé, et pas n'importe quel cheval tout blanc. Un cheval de la famille royale. Enfin, le cheval qui servait autrefois la lignée royale d'Hyrule. Et du coup, un cheval... descendant de la lignée royale comme ça, c'est forcément Gauthier, donc je l'ai capturé et je l'ai ramené au relais. Et vu que c'est un cheval royal, forcément, j'ai dû lui donner un nom qui en jette, tu vois, qui rappelle que ce n'est pas n'importe quel type de cheval. Et du coup, bah, j'ai décidé de l'appeler Henri IV. Ouais. Henri IV, comme... dans la blague où on demande tout le temps quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV. La réponse est blanche, évidemment, vu que c'est une couleur. Voilà. Donc, il me semblait important de donner un nom charismatique à ce cheval. Et du coup, petit point histoire pendant qu'on retourne au sanctuaire de Kiyo-U. Rappelez-vous, Henri IV n'est pas qu'un n'importe quel roi. Ça a été un roi de France qui est devenu roi de France en 1584. Ça commence à faire, mine de rien. Ça fait plus quasiment 500 ans, je crois. Ouais, plus de 400, quasiment 500, on va dire. Et ce bon monsieur, il est arrivé en pleine guerre de religion entre les catholiques et les protestants. Alors lui-même, il aimait pas trop les catholiques, du coup il était protestant, mais pour devenir roi, il était obligé d'être catholique, et pour épouser certaines femmes aussi. Du coup, il a pas arrêté de changer de religion, ce monsieur. C'est assez drôle. Et du coup, bah, c'est à lui qu'on doit le fameux Édit de Nantes,
Rappelez-vous ce fameux édit qui a permis d'atténuer les tensions entre les catholiques et les protestants en légalisant plus ou moins la religion protestante en France. Et du coup, bah, ça c'est bien, parce que ça arrêtait des guerres inutiles, tout le monde arrêtait de se mettre sur la gueule, jusqu'à ce que Louis XIV décide d'annuler cet édit sans qu'on sache trop pourquoi, vu que lui c'était un gros mégalomane qui voulait à tout prix être le plus grand, être le plus fort, même si c'était au prix de la mort de son peuple, qui a été quasiment réduit en esclavage pendant que lui se tournait les pouces à Versailles, tranquillement, hein, on le rappelle. Louis XIV, un homme formidable, hein, le roi soleil, évidemment, qui illuminait tous les cadavres qu'il gouvernait. Voilà, fin du hors-sujet, du coup, on peut retourner essayer de cueillir notre formidable épée purificatrice qui va anéantir le mal. Alors, est-ce qu'on a assez de cœur? C'est le suspense. Serrons tous les fesses ensemble et prions la déesse Ilia pour que j'ai assez de cœur. Oui, non, peut-être. C'est passé! Je ne suis pas mort comme un caca. Ah! Et voilà. Link, le ninja prodige d'Hyrule. Je vous en prie, soyez patiente et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence, je sais, je sens qu'un jour, ses pas le ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent, prêtresse royale d'Hyrule? La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force désormais. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici? Voilà, je... Allons. Un message de cette importance se doit d'être délivré en personne, ne crois-tu pas? C'est vrai. Ce que tu viens de voir s'est produit ici il y a 100 ans. La prêtresse royale est venue. Elle a placé cette épée sous ma garde, l'épée qui tomba de ta main sur le champ de bataille. Aujourd'hui encore, elle poursuit son combat contre le mal au cœur du château d'Hyrule. Attendant le jour où tu viendras la retrouver. Quel sourire envoûtant elle avait. Peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau. Ah, c'est beau.
Ah, l'épée de légende qui a 30 en attaque. c'est pas top. Alors, la lame purificatrice légendaire abrite en son sein un pouvoir sacré permettant d'affronter le fléau. Seul le héros choisi par l'épée peut la manier. D'accord. Cette épée s'appelle l'épée de légende. Si tu la brandis contre le fléau Ganon ou les monstres imprégnés de sa noirceur, l'épée de légende se nimbera de lumière. C'est alors seulement qu'elle révèle toute l'étendue de sa puissance. Mais garde-toi d'abuser de l'épée sacrée. Si tu la brandis sans nécessité, sa lame s'altérera jusqu'à devenir inutilisable. Si cela se produisait, il te faudrait attendre que l'épée ait retrouvé ses forces. Quoi qu'il en soit, il serait dangereux d'affronter Ganon en ne comptant que sur la puissance de la lame sacrée. Si tu veux t'assurer la victoire, il serait plus sage de libérer les créatures divines afin qu'elles combattent à tes côtés. Ah, super. Bah du coup, on va la laisser équiper pour voir quand est-ce qu'elle se casse et compagnie. Et par contre, là, il y a une grosse incohérence scénaristique dans leur histoire. Parce que soi-disant que ça fait 100 ans que la princesse Zelda est bloquée au château d'Hyrule pour empêcher Ganon de sortir et de faire n'importe quoi. Et puis là, bah, on voit très clairement Zelda après son combat et donc après que Link soit mort et après qu'elle ait érigé sa barrière et qu'elle soit censée être en permanence au château d'Hyrule, on la voit se promener tranquille dans les bois perdus et taper la discute au roi Mojo. J'ai envie de dire, il y a un truc qui va pas. Parce que si elle est censée être en permanence au château d'Hyrule, elle peut pas être là. Sauf si elle a passé un deal avec Ganon, et puis que Ganon lui a dit, ouais, vas-y, va te promener, moi je me fais chier, de toute façon, je vais dormir un peu. Je pense pas que ça soit passé comme ça. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas digne du jeu parfait. Non, non, non. Alors du coup, maintenant, on a la superbe épée. J'ai rempli mon contrat de l'après-midi, mais on ne va pas s'arrêter là. Eh ben non, ce serait dommage quand même. Du coup, on va faire quoi? Du coup, j'en sais rien ce qu'on va faire. On va peut-être continuer l'histoire, non? On va regarder si on trouve le troisième sanctuaire, du coup, directement. Et puis, bah, si on le trouve pas, on va aller voir ce qui se passe du côté des Gorons. Ouais. Je suis sûr qu'il se passe plein de trucs bien là-bas. Alors attends. Ouais, non, il n'est pas censé y avoir de chemin de toute façon dans la zone pour aller par là-bas. Faut juste tracer tout droit. On est d'accord. Bah non, là je vais me refaire aspirer. Comment ça se passe ici? Comment on sort d'ici par l'est? Il n'y a pas de passage ici non plus. Qu'est-ce qui se passe là? Si on monte là-haut, est-ce que ça passe? Oh, il y a des cerisiers et tout. Normalement, c'est safe là. Ok, donc là on devrait pas être bon. Là on n'est pas bon. Bon, allez, on s'en va. Du coup, on va aller voir le dernier donjon, si on peut s'en rapprocher au moins pour d'ici la fin du stream. Comme ça, ce soir on pourra continuer Nioh. Nier, pas Nioh. Qu'est-ce que je raconte, moi? Nier. Je n'ai pas Nioh, je risque pas d'y jouer. J'attends qu'il baisse de prix, le petit Nioh. Parce que je ne suis pas sûr d'aimer, donc je ne veux pas payer 50 euros pour y jouer. Je pense que vous me comprenez. Alors, d'accord. Donc le plus près, c'est la tour d'Ordine, si je comprends bien. Bah on va aller là-bas. Allez! On va à la tour d'Ordine, et puis on va aller dire bonjour aux Gorons. Les Gorons, du coup, on ne sait pas si ce sont des hommes ou des femmes, vu que même les Gerudo les laissent rentrer dans leur village.
Alors qu'on ne sait pas trop de quel sexe sont et chaque individu, pardon. Essayons de parler un minimum français quand même, ça ira mieux. Ok. Alors du coup, je crois que je vais devoir enlever ma tenue super sexy de ninja et de mettre des trucs qui protègent contre la chaleur. Et par contre, j'ai que ça qui protège contre la chaleur. Sinon après, je suis cantonné aux tenues traditionnelles. On va lui... On va pas lui mettre le truc qui protège contre le froid quand même. On sait jamais, des fois que ça annule l'effet contre le chaud. Tiens, bonne question. Est-ce que ça le fait? Ah bah non. Il y a les deux effets simultanément. On est protégé contre la chaleur et le froid en même temps si on s'équipe comme ça. Ah bah on va faire ça du coup. On va faire ça et puis... On va se diriger vers le point de quête. En passant par là, ça me paraît être pas mal comme chemin. Donc normalement j'avais dû faire le tour pour vérifier qu'il n'y avait pas de sanctuaire visible. Si j'en ai pas noté, c'est que j'ai pas dû en voir. A priori je suis pas fou. Donc on va se jeter par là. En paravoile. Ah! Ah apparemment il a très chaud. S'il a très chaud, il faut lui donner un truc qui va lui donner très froid. Alors remettre Glegla. Ça me paraît pas mal ça. C'est bon, il va mieux. Par contre, le thermomètre brûle, donc je suppose qu'il faut éviter les équipements en bois ici. Mes armes en bois fument. Du coup, on va prendre ça. Par contre, j'espère que tout ne va pas cramer. Ce serait quand même ballot. Et je continue de fumer des fesses. C'est sérieux là ou bien qu'est-ce qui se passe? D'accord, bah, je vais perdre tous mes objets en bois visiblement. Ah non, pas le super arc! Je vais poser mon super arc à la maison avant. Je refuse de le perdre, cet arc. Il n'y a pas moyen. Vous m'excuserez pour le petit détour et le petit temps de chargement, mais je ne veux pas me retrouver en slip contre Ganon. Je préfère avoir un arc qui pourra le one-shotter et lui mettre des dégâts considérables, plutôt que d'avoir un arc fait d'une branche et d'une ficelle en plastique. Les ficelles en plastique, évidemment, qui se trouvent partout en Hyrule. Ça pousse sur les arbres. C'est un peu comme les ficellos, finalement. Les ficellos aussi, c'est en plastique. Voilà, histoire de vous expliquer le fond de ma pensée jusqu'au bout. Sérieusement, je sais pas si vous avez déjà mangé des ficellos, mais... Ah, c'est pas bien. voilà. Ce matin, il y avait... le monsieur Titavion qui parlait de faire des comparaisons entre Zelda et du Kiri, une boîte de Kiri, et ben je le dis très clairement, Zelda est supérieur au ficello. Du coup, on pourrait aussi comparer, comparer le... Non, c'était pas celui-là. C'était celui-là qu'il faut exposer en priorité, voilà. Après, on va poser celui-là. Voilà, et puis celui-là. Voilà. Après, au niveau des boucliers, il y en avait un en bois, donc on va le prendre. On va prendre celui-là. Celui-là ne servait à rien. On va mettre celui-là à la place. Voilà. Et puis au niveau des armes, bah, de toute façon, on s'en fout. Hein. Donc on va y aller comme ça. On va totalement y aller comme ça. Vite avant que ma potion ne s'épuise. Normalement, j'espère que 10 minutes suffiront pour atteindre le haut. Et puis acheter des bons équipements anti-chaleur. J'y crois à fond. Ça m'arrangerait en tout cas. Ok. Donc on en est à 48 sanctuaires sur les 120. On s'approche doucement de la moitié. Ça veut aussi dire qu'on peut avoir deux fois plus de vie et d'endurance. Et ça quand même... Ça fait beaucoup mine de rien. Ça fait beaucoup. Hop, on y va.
Ouais, vas-y, crame. T'as raison, y a pas de souci. Mais moi, je continue. Mais pourquoi il brûle vraiment? Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment on fait? Comment on fait pour arrêter de brûler? Faut jeter tout ça, peut-être? Si je jette tout ce qu'il y a en bois, qu'est-ce qui se passe? Et si on se baigne dans l'eau bouillante? Ah, ça a l'air d'aller mieux. Ok. Donc là. Ah, des gisements de Nox. Ah, mais non, j'en ai déjà de ça. C'est pareil, ça c'est pareil. Donc on peut les faire péter. Bon, visiblement, je ne brûle plus. C'est déjà ça de pris. Ok. Ah et ça y est, recommence à brûler. D'accord, donc en fait il va falloir courir de source en source, si je comprends bien. Ça va être tendu ça. Ah, il y a un sanctuaire à proximité visiblement, mais je vais pas m'amuser à le chercher. Ok, de l'eau. Où c'est qu'il y a de l'eau? Ok, donc en bas il y a de la lave. Encore de la lave. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faut aller où là? Je comprends rien. Ah, si on suit la route, visiblement ça marche pas mal. Donc c'est ce qu'on va faire. Et puis on va y aller le plus vite possible avant de mourir. Je pense que je vais cramer tous mes trucs de bouffe. Tiens, peut-être que les gorons ont un truc à me dire. Ouais, super. Tant que le village va bien, on va bien aussi. D'accord, alors on creuse et on vend des morceaux de minerai. Super. T'es qui? Je m'appelle Perk. Je suis chef d'équipe au sein de la société minière Goron Extraction. Le boss du village Goron m'a donné pour instruction de conduire les travaux d'extraction dans cette zone. Aujourd'hui encore, je vais creuser. Creuser et puis creuser. Tu veux savoir autre chose? Le village Goron? C'est notre village à nous, les Gorons. Si tu veux y aller, il te suffit de suivre ce chemin-là. C'est tout droit, tu peux pas te tromper. Mais t'es un petit Élien, alors fais gaffe à ne pas brûler en route. Bah c'est ce que je suis en train de faire. Ça a l'air fatigant. C'est grâce à nous que le village est aussi prospère. En fait, on aimerait pouvoir creuser plus près du sommet de la montagne, mais les gros lézards nous en empêchent. Ah bah non. Ah, et du coup, le fait de... Mais j'ai encore un équipement qui fait brûler, là, non? Comment ça se passe? A priori, non, hein, on est d'accord. Ok. Quoi? Non, rien. Ok. Ah, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? T'es qui? Moi? Je m'appelle Tonjaga. J'ai besoin de rester concentré quand je travaille. Alors si tu veux me parler, viens plutôt me trouver la nuit. D'accord. Bon, bah du coup, on perd pas de temps. On continue de courir vaillamment vers le village Goron avant de perdre toute notre vie. Ok, donc là il est temps de s'en remettre un coup. Un petit coup de nourriture. Ah mais non, c'est pas ça, je suis con moi. C'est celui-là.
Arrête de faire n'importe quoi. Voilà. Bon, je suis à peu près sûr que c'est pas comme ça qu'on est censé y aller. Mais j'y crois à fond. Ok. Non, ceux-là, je les garde pour contre Ganon, du coup. On va manger ça. Bon, en espérant que je ne sois plus trop loin. Non, ça a l'air d'aller. Ah, il y a de la fumée. Peut-être qu'il y a de l'eau en dessous. Non, c'est de la lave. On était presque. Ça aurait pu. Mais finalement, c'était pas ça. What? Ah, ça y est, c'est le drame. C'est complètement le drame. Oh, bon sang. Non, mais fais pas ça. Ah non! Arrête-toi. Fais pas le con, s'il te plaît. Arrête tes conneries. Et puis cours plus vite. Non, non, j'ai pas le temps pour les autruches non plus. Ok, encore un. Ah, on arrive... Putain, j'ai déjà passé tous mes plats. Ok, qu'est-ce qu'on peut manger d'autre? On va manger ça, hein, histoire de... Voilà, comme ça on est débarrassé. Et puis on arrive au village Goron, ça y est. On y est, il y a un sanctuaire à proximité. Ah. Le dernier donjon se manifeste, visiblement. Ah, bah super. Ah, du coup, ça y est, j'ai plus le feu aux fesses. Je vais vite en profiter pour trouver le magasin le plus vite possible avant de mourir. Allez, vite, t'es où, magasin? Il y a des magasins, l'équipement, c'est à droite. Ok, donc on y va. On y va, on y va. Allez, vite. Putain, et là, il n'y a rien contre la chaleur. Je le sens tellement venir. Non, c'est pas celui-là? C'est pas ici? Ah, c'est pas là. Vite. Ah, anti-flamme. 700 rubis. Wouah! Oh, mais on s'en fout, on prend. Il y en a trop besoin. Vite. Voilà. Ah, et ben voilà. Bon, du coup, ça coûte 600. Et 2000 le casque. Wouah, mais ils sont fous. Ah. On est où? Comment tu peux le voir? Comme tu peux le voir, c'est une boutique de vêtements. Bon, nous, les Gorons, on est tout nus. Alors les armures, elles sont surtout là pour les touristes. C'est pratique pour eux s'ils veulent se protéger contre le feu. Moi, ce que je conseille, c'est les bottes de pierre. Elles sont faites à partir de pierres précieuses locales. Niveau résistance au feu, elles sont pas mal. Mais surtout, tu vas faire pâlir d'envie les dandies du monde entier. Et salut, Eridan! Comment tu vas?
T'as besoin d'autre chose? Ah bah non, c'est bon. J'ai arrêté de brûler, tout va bien. Je vais mieux. Ah, du coup, on va pouvoir visiter le village. Et ça, c'est bien. Donc, visiblement, les machins marrons, c'est des maisons aussi. Bah, on va y aller. On va discuter avec un petit peu tout le monde. On va d'abord aller faire les hauteurs. Et puis, bah voilà. Ah, le peintre. Oh, de toutes les contrées où j'ai voyagé, celle-ci est la plus chaude. Impossible de survivre sans remettre Ignifus. Ah, c'était ça que j'étais censé faire pour ne pas brûler sur... pendant tout le chemin. D'accord. Peindre dans ce four est un calvaire. Le mieux que je puisse faire, c'est de pyrograver le paysage dans ma mémoire. Comme on se retrouve, tu voyages encore? Je continue à arpenter nos belles régions. Qui sait, je peux peut-être te parler de mes destinations. Souhaites-tu me montrer quelque chose? Ah bah oui, on a toujours une photo à te montrer pour retrouver des souvenirs. Vas-y, dis-moi tout. On voit le château d'Hyrule, ainsi que la grande forêt d'Hyrule au nord. Si tu observes la grande forêt depuis le sud-est en te plaçant sur les hauteurs, la vue devrait ressembler peu ou prou à ça. Petite photo. Ouais, ça y est, j'ai l'épée, on l'a récupérée à l'instant. Je suis mort comme un caca plusieurs fois en essayant de la récupérer parce qu'elle t'absorbe plein de cœurs et il faut en avoir, je sais pas combien, je sais pas compter. Il faut en avoir un certain nombre pour ne pas mourir en la retirant de son socle. Et du coup, on vient de la récupérer. Mais je l'ai pas encore testée. du sud-est. D'accord. D'ailleurs, j'ai entendu dire que depuis les hauteurs du nord du relais de la forêt, la vue est tout bonnement magnifique. Ah. Ce relais se trouve tout au sud d'ici. Désolé, je ne peux pas vraiment être plus précis que ça. C'est pas grave, t'as déjà été bien assez précis. Je pense que je pourrais m'occuper du reste. Ok. Ah, y a personne ici? Bon, bah, y a personne. Ah, et y a un sanctuaire pas loin, visiblement. Voilà, je viens de tester pour toi l'épée purificatrice, et on peut casser des pots avec. Incroyable, mais vrai, ça marche. J'espère que t'es content, du. Par contre, j'ai plus de bouclier ni rien. Ah oui, ça a tout brûlé. Hop. Tout a brûlé. D'accord, donc en dessous, il y a les boutiques. On va rester à l'extérieur du village pour l'instant. Oh, un lézard. Oh, mais il a couru trop vite encore. J'ai pas le temps, moi, quand il court trop vite, les lézards comme ça. Ah, une petite quête annexe. Oh, tu te tiens devant la demeure de mon maître forgeron, Bratan, un véritable virtuose du métal chez les Gorons. Tu as besoin de quelque chose? Ah, c'est qui Bratan? Maître Bratan est un véritable forgeron qui a hérité de techniques anciennes. Il est extrêmement exigeant, autant avec lui-même qu'avec les autres. Il m'a demandé de débarrasser les environs du village des Magrocs qui y rôdent. Mais je n'arrive pas à atteindre celui qui vit au lac d'Arunia. Ah, si seulement quelqu'un d'autre pouvait s'en charger à ma place. Ah ouais, faudra trouver quelqu'un d'autre. Hein. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oups, désolé. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. D'accord. On doit pouvoir monter avec ça, du coup. Par contre, je sais pas trop... ouais, non, pas besoin. Là, c'est pour l'histoire, donc on va le contourner. On peut pas continuer là-bas, du coup. Et là, il y a quoi? Ah, la boutique d'objets. Alors, des flèches de feu, des flèches de glace... Ah, des flacons d'épices Goron. Il nous en fallait, ça, je crois.
On va en prendre un. Il me semble que quelqu'un nous en avait demandé, je sais plus pourquoi. Canne à sucre, non, on s'en fout. Ok, après. Ah, trop bien, Mini-Goron. Salut. Oh, achète-moi un truc. Quoi donc? Un remède d'Ignifus? T'es un alien, alors t'en auras besoin. Ah, peut-être. Alors, je te vendrai un remède d'Ignifus pour seulement 60 rubis, une aubaine. Ah non, laisse tomber. Je suis venu sans remède, je repartirai sans remède. Tant pis pour toi. Moi, je m'en fiche si tu brûles. D'accord. Bon, on va finir de ce côté, du coup. Là, on retourne à l'extérieur. Là-dedans, il y a quoi? Ah, une quête annexe. Mon agité de frangin n'est toujours pas rentré. Mais à quoi il pense à la fin? Ton frangin? Bégron, mon frère adorait la prunelle de mes yeux. Il a dit qu'il portait déterré le secret du héros et hop là, disparu. Je ne comprends pas qui l'a pris. Où est-il allé? Au tunnel de Marpeau, au sud-est de l'étang de Marpeau, j'en suis sûr. La roche au fond du tunnel est si dure que nous avons cessé d'y creuser il y a bien longtemps. Je ne sais plus quoi faire de lui. Pourquoi n'essaie-t-il pas de se rendre utile à la mine au lieu de rêver? Ah, du coup, faudra le retrouver. Et il y aura un sanctuaire à la clé. Oh, ouais. Bon, ça, c'est le petit garçon, il a déjà parlé. Et toi? Oh, un client. Oh, tu serais pas un voyageur? Alors écoute bien, je connais un super endroit pour toi. Suis-moi. Ah. Eh ben, tu comptes mon nombre de cœurs, et puis t'en gardes un quart. Voilà. Tu fais la soustraction et t'auras le coût de vie pour retirer l'épée. D'accord? On est arrivé. C'est la boutique de vêtements. Récemment, une drôle de bestiole qu'on appelle la créature divine Va Rudania est apparue sur la montagne de la mort. Depuis, il fait encore plus chaud qu'avant par ici. Alors mieux vaut être bien équipé pour résister au feu. Entre, vas-y. Ah, mais je suis déjà allé là-bas. J'ai récupéré des super bottes qui m'empêchent de brûler. Et qu'est-ce que tu veux, toi? Je suis un voyageur. Oh. Ah, il a pas l'air content. Encore toi? Mais qu'est-ce que tu me veux? Je suis toujours un voyageur. Ah, encore? Ah, à plus. Bah bravo. Tu viens de me parler et après tu t'en vas? Non, mais faudrait savoir. Tu me plais. Je vais te faire l'honneur de faire de toi mon disciple. Alors, on dit que je suis ton maître, ok? Bon, les disciples, ils comprennent rien à rien. Alors demande-moi ce que tu veux. Ah, qui t'es? Tokash. Autre chose? On est où? Au village Goron. Autre chose? T'habites où? Chez le forgeron. Tu sais, je suis content d'avoir un disciple aussi curieux que toi. Demande-moi tout ce que tu veux. T'as un souci? Bah non. Mais si ça t'intéresse, Buldo, le boss, a dit qu'il allait mal au rein. D'accord. Et tu fais quoi? Bah je réponds à tes questions. Ah, je l'adore ce petit. Bon petit troll. Je vais en faire mon disciple. Voilà. Oh, bienvenue à l'auberge, jeune voyageur. Si la route t'a fatigué, n'hésite surtout pas à prendre du repos à l'auberge. Ah là. On est où? On est devant l'auberge Massom. Si tu veux faire un somme, il n'y a pas mieux dans le village. Et comme tu peux le voir, nos chambres ont vue sur la montagne de la mort. Enfin, presque. Disons, la maison du boss gâche un peu le paysage. Pour compenser, on propose une formule avec massage inclus. Et sans me vanter, mes massages valent le détour. Quoi qu'il en soit, tu ferais bien d'entrer et te reposer avant d'aller plus loin. Ah, une Gerudo qui a chaud. Ah, ça va. Eh bien, jeune voy, tu cours les jupons en plein milieu de l'après-midi? Ah, pas vraiment, non. Ah bon? Ah, dommage. Qui es-tu? Je me nomme Labira. Je suis originaire des contrées Gerudo.
Je suis venu m'approvisionner en pierres précieuses. Ces boules de feu n'arrangent pas mes affaires. Difficile de travailler dans ces conditions. Qu'y a-t-il? Tu n'as jamais vu de Gerudo? Ah, mais t'as pas chaud? Ah, je viens de me passer un peu de remède Ignifus et ça fait un bien fou. Il y a un enfant qui vend des remèdes Ignifus par ici. Tu ferais bien de lui en acheter. Si ça peut permettre de supporter cette chaleur, mieux vaut ne pas regarder la dépense. Bon, lui c'est l'auberge, on s'en fout. Ok. C'est bon, on a fait le tour là du coup. Ouais. On va pouvoir continuer l'histoire, mesdames et messieurs. Le moment que vous attendiez tous est arrivé. Juste après que je sois allé visiter cette maison. Ah, cette maison où il n'y a personne. Mais peut-être que dans la suivante, il y a quelqu'un. On ne sait pas. Il faut aller voir, c'est important. Ah bah non, c'est le peintre. On a déjà fait ici. Ok, le troll est fini. Cette fois, j'y vais pour de vrai. Alors, qu'est-ce que tu nous veux, grand-père? Oui, nom d'Arok. Mais quelle plaie, ce Rutania! Ah, qu'est-ce qu'il a? Depuis que Rutania fait des siennes, les éruptions de la montagne, de la mort, sont devenues plus violentes. Rutania, c'est la bestiole qui rampe sur le flanc du volcan là-haut. Il y a 100 ans, il paraît que c'était la divinité protectrice des Gorons. Mais maintenant, on peut plus miner tranquillement à cause de lui, et en plus de ça, il fait fuir les touristes. On te repousse tant bien que mal vers le cratère du volcan, à coups de canon à chaque fois qu'il s'en sort. Mais il remet ça à chaque fois. Oh, oh. Aïe, aïe, aïe. Oh, mes reins me font un peu souffrir. Mais attends une seconde, qui es-tu, Gringalet? Ah, un voyageur. Alors comme ça, tu es venu jusqu'ici pour me saluer? Mon nom est Buldo. Assez drôle parce que Buldo, c'est comme une bulle d'eau. Et en fait, c'est un goron et il habite dans un volcan. Et dans les volcans, il n'y a pas de bulle d'eau. Voilà. C'est moi qui le crains, le respecté boss des gorons. Celui dont la seule vue inspire le silence aux plus bruyants marmots. Je comptais me mettre en route pour repousser Rudania encore une fois, mais mes reins me font atrocement souffrir. Et qu'est-ce que fiche ce bougre de Yunobo? Il embête du temps à rentrer. Yunobo? Yunobo, c'est un jeune goron qui m'aide à repousser Rudania. Il est parti chercher des antidouleurs pour mes vieux reins du côté de la mine abandonnée du Nord, mais il revient pas. Bougre de nom d'Arok, où est-ce qu'il traîne encore donc? Eh, hey, Gringalet, si tu tombes sur Yunobo, dis-lui que je le cherche, d'accord? Ah, super, du coup va falloir partir là-bas. Mais avant, je vais piller ta maison, chef Gerudo, parce que tu le vaux bien. Et dans ta maison, il n'y a rien. D'accord, c'est formidable. Ta maison est toute pourrie, monsieur. Ah, un panneau. Mine abandonnée du Nord, restez sur le droit chemin, votre vie sera plus belle et plus longue. Voilà, et ils écrivent tout ça avec 4 caractères. Le hylien est une langue d'avenir, ma foi fort pratique, vu qu'avec 4 signes composés d'extrêmement peu de traits, ils arrivent à faire des phrases extrêmement longues. Voyez ces symboles et regardez la traduction. Voilà, ça se passe de commentaires. Allez, on y va. Ah, soulevé? Un Korugu ici? Ah non, juste un lézard. Qui de toute façon court trop vite pour que je l'attrape. Donc on va y aller et parler à ce gentil Pelgo. Un lien, qu'est-ce que tu viens faire par ici? Tout ce qu'il y a par là, c'est une mine abandonnée et des monstres. C'est bien trop dangereux. Ah, mais je suis un lien spécial. Je suis le prodige, je suis l'élu.
Je suis le héros, j'ai l'épée purificatrice, donc je ne crains plus rien. Ouais. Et j'ai des superbes bottes qui me permettent de ne plus avoir le feu aux fesses aussi. Et ça, c'est bien quand même. Ça, c'est super bien. Ok. Allez, on va voir par là-bas. Ouah, un casque de Goron, je le veux. Pourquoi tu le prends pas? Ah, ça aurait été tellement stylé qu'on puisse prendre le casque de Goron et le mettre sur la tête. Ah, et on a un petit sanctuaire du coup. On va y aller. Le sanctuaire de Shimo Itose. Un nom très goronesque. Bon, sur quoi on va tomber cette fois? J'espère que ce ne sera pas encore une énigme, comme avec l'histoire des étoiles et de mon destin, où j'ai rien compris. Flamme vacillante, d'accord? D'accord. Mais le baril, il va prendre feu, là, si j'allume ça. Comment ça se passe, du coup? Ah non, le baril a pas pris feu. Bon. Pas ma foi, tant mieux. Ah, merci la musique. Brise Rock. Ah, bien. 42 en attaque. Je prends. Par contre, faut m'expliquer pourquoi ils nous mettent des torches sans nous donner justement des torches en bois pour qu'on puisse allumer tout ça. Vu que si on se promène avec des armes en bois, ici, elles brûlent à l'extérieur. Donc c'est pas bien logique. Okay. Bon là il n'y a rien visiblement. Non. Ah, un gardien. Alors attends, on va changer d'arme. Aïe. Ok. C'est bon, je l'ai eu. Ouais, bah apparemment elle se casse quand même, mais elle peut se réparer toute seule au bout d'un moment. Après, faut voir au bout de combien de temps du coup. D'ailleurs, je vais la reprendre. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pris la lance. C'est un vieux réflexe. Ah, un petit rubis. Ok, il y a quoi là-haut? Ah, il faut une petite clé, visiblement. D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ça va pas tenir, hein, je suppose. Ouais, c'est ça. D'accord. Du coup là ça fait tomber une boule là-bas. Il va falloir l'ouvrir. Là il n'y a rien. Ok, là on a un coffre. On peut pas y rentrer. Il y a un passage ici. Et visiblement il y a aussi un passage là-haut. D'accord. Et là, comment ça se passe?
Ah, donc là, c'est pour faire passer la boule. Du coup, ça ouvre ça là-bas. Il faut vite y aller. Ok. Donc là, on ouvre le coffre. Ça doit être la petite clé. Ouais, c'est ça. Oh, il y a un autre coffre là. Ah, des flèches de glace. Bien. Il me semble pas que je m'en sois encore servi des flèches de glace d'ailleurs. Depuis le début du jeu. Bon, du coup, là, ça va peut-être servir à éteindre des ennemis en feu, j'imagine. Et donc là, normalement, on a tout vu. Ouais, les petits piliers là, ils servent à rien. Donc on a tout fait. Ok. Et bah voilà. Enfin voilà, non, pas encore. Pourquoi il y en a deux? Ouais, je sais pas pourquoi ils en ont mis deux. Alors, saisir. Toi, tu reviens par là. Ok. Voilà, puis là, on est bon, normalement. En dessous, il n'y a rien. Et ben voilà. Une bonne chose de faite. Ah, et du coup, on en a combien? Ah, on en a qu'une. Mais bon, ça soigne, donc c'est toujours ça de prix. Ok, donc on retourne vers la mine. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, c'est un blob. Voilà. Il est content d'être venu, je pense. Ah, vite avant que ça brûle, voilà. Il y a tout qui brûle ici, visiblement. En même temps, on n'est pas bien loin de la lave. Qu'est-ce que c'est que ce machin, là-bas? Ah, ça va être les canons dont il parlait. Ok. C'est la bonne route là ou bien qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça a l'air d'être la bonne route. Ah, mine abandonnée, on y est. Et sinon après ça va où? Ouais, là je vais y aller du coup. Je suis en train d'avancer l'histoire justement pour faire le dernier donjon après. Hop. Ah, c'est lui? Ah non, c'est pas lui. Oh là là, il y a plein de gens qui passent aujourd'hui. Tu sais, il fait encore beaucoup plus chaud par là-bas. Et il y a beaucoup plus de monstres. C'est très dangereux. Ah, est-ce que tu connais Yunobo? Mais pourquoi un gars comme toi connaîtrait le petit Yunobo? C'est bizarre, je te connais pas, moi. Le boss le cherchait. Hein? Le boss? Ah, mais alors, tout de suite. Je vais te dire tout de suite où il est. Yunobo, il m'a dit qu'il allait chercher des antidouleurs. Il est parti en direction de l'entrepôt. Tiens, d'ailleurs, il est toujours pas revenu. Il en met du temps.
C'est très dangereux par ici, tu sais. Je te déconseille fortement d'aller le chercher. T'as encore besoin de moi ? T'es qui ? Moi ? Moi ? C'est fort Jean. Depuis que Varudania est apparu, il y a tellement plus de lave. Il fait beaucoup plus chaud et il y a aussi beaucoup plus de monstres. Comme c'est devenu très dangereux, Buldo, le boss, m'a demandé de monter la garde. On est où ? C'est la mine abandonnée du Nord, ici. Écoute un peu notre hymne. Balance l'explosif frangin, à nous le mine, à nous le putain. Cette mine très connue est très connue, tu sais. Avant, on était beaucoup à y creuser. Mais depuis que Varudania est apparu, il y a de plus en plus de lave et il fait tellement plus chaud. Et puis les monstres sont bien plus nombreux aussi. Mais tu l'as déjà dit 40 fois ça. Non, c'est bon, à plus. Ah, à plus. Alors, il faut aller chercher le monsieur dans l'entrepôt du coup. Ah, et là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Montagne de la mort, 6e palier, mine abandonnée du nord. Niveau de chaleur extrême, on n'entre pas si on n'a pas une bonne raison, compris. Et tout ça, toujours en 4 signes. Ah, bah re... je disais que... Je répondais à ta question, du coup, je disais que j'étais en train de me diriger vers la suite de l'histoire pour faire le 4e donjon, justement. Et que, du coup, bah là, on est parti à la recherche d'un bon goron qui est parti chercher des antidouleurs pour son chef, mais qui n'est pas revenu. Du coup, il est quelque part là-bas, et on y va. On y va, enfin, on y va, il faut trouver un moyen pour y aller. Je pense qu'on va tenter par ici. Ah, ça y est, je reprends feu. Ok. Donc visiblement, il faudra que je revienne avec un équipement complet anti-flamme, parce que ça ne suffit pas. Du coup, on va aller farmer un petit peu les rubis. On va aller cueillir des pommes en direct. Le truc que je n'ai jamais fait, vous allez avoir l'immense honneur de pouvoir admirer cette activité hautement intéressante. J'espère que vous avez hâte. Parce que c'est tout de suite après ce temps de chargement. Ouais, ouais, ouais. Sans mentir, on va le faire. Ah, mon Dieu. Les gars, ils te mettent un équipement quasi obligatoire à 600 rubis pour le moins cher et 1200 pour le plus cher. Et il en faut plusieurs pour pouvoir continuer à avancer. Et ça, quand même, c'est beau. Alors... Alors, donc c'est toujours la même technique, hein. Vous arrivez à ce sanctuaire, vous prenez au nord, je vais remettre des bottes qui permettent de courir normalement aussi. Je vais mettre celle-là, tiens, voilà. Et du coup, vous allez tout droit, vous passez devant les deux petits rochers ici, si vous les poussez normalement, il devrait y avoir une truffe max ou un truc dans le genre, voilà, qui est juste là, mais j'arrive pas à le récupérer, mais je vais pas y passer la nuit non plus. J'arrive de redémarrer Twitch. Ok, je ne sais pas ce que tu as voulu dire. Et ici, il y a des carottes vigueur, qui peuvent se revendre très cher une fois qu'on en cuisine 5 ensemble. Voilà, rappelez-vous-en, c'est important. Et toi, tu t'en vas. Ah, une autre carotte ici, ok. Est-ce qu'on en a encore une ? Ah, peut-être là. Non, ça c'est une fleur. A priori, il n'y a plus de carottes, malheureusement. Et donc, une fois que vous avez récupéré toutes les carottes qui sont disponibles ici, vous faites cap sur l'est, vous courez un petit peu dans la pampa, et vous vous dirigez vers les arbres qu'il y a juste en face, en utilisant votre paravoile. Voilà, vous volez comme ça. Vous passez au-dessus des premiers arbres parce qu'on s'en fout, et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'armée de pommiers qui se cache derrière. Ouais, ouais, ouais. Regardez juste là, plein de pommiers de partout. Ah, re. Re.
et là, voilà. C'est le paradis des pommes. Vous prenez vos bombes, et puis vous faites péter tout ça. Voilà. Link, passion agriculteur. Il n'y a pas d'embrouille. C'est la fête. Voilà. Et là, vous récupérez 150 pommes, à peu près. Facilement. Et après, vous pouvez les cuisiner pour les revendre 50 rubis le plat. Et avec ça, bah, ça fait des sous. Hop. Voilà. Les bombes, hein, la meilleure technique d'agriculture. Vous pouvez ranger vos tracteurs, vous pouvez ranger vos petits ouvriers qui cueillent tout à la main. Vous prenez une grosse bombe, vous la balancez dans le tas, et paf, plein de pommes par terre. C'est magique. Et en plus, ce qui est super bien, c'est qu'en utilisant la technique des bombes, les arbres repoussent dans la vraie, repoussent dans la nuit, et ça, ça marche même dans la vraie vie, du coup. Si vous faites péter des arbres, des pommiers, comme ça avec vos bombes, et que vous faites passer une nuit, vous verrez que les pommiers seront redevenus intacts le lendemain. C'est pas un fake, hein. J'ai déjà essayé personnellement, et je vous assure que ça marche. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, enfin pour ceux qui sont assez vieux, en 1995, le vénérable Jacques Chirac, notre ancien président de la République, avait axé sa campagne sur le célèbre slogan « Manger des pommes ». Voilà, il était complètement lucide parce qu'il savait que c'était une ressource qui ne peut pas s'épuiser. Vous mangez des pommes ? En faisant péter vos pommiers avec des bombes, vous récupérez les pommes, vous les mangez, vous faites passer la nuit, et puis pouf, elles sont de nouveau là le lendemain matin. Et ça quand même, c'est super bien. Il n'y a plus besoin de travailler finalement, quasiment. Juste vous passez 5 minutes à faire péter des pommiers pour amasser les pommes. Ensuite, vous vous faites une boutique pour les vendre à l'international, et vous faites fortune en investissant aucun centime. Parce que les bombes, en plus, ce qui est bien, c'est que si vous trouvez une tablette chez K, vous pouvez les utiliser à l'infini. Vous avez juste à attendre quelques secondes et il n'y a pas besoin d'en acheter. Les Link des anciens Zelda sont complètement has-been avec leur sac de bombes qui devait non seulement trouver, ensuite agrandir. Et après, en plus, il fallait soit trouver des bombes, soit aller en acheter dans les magasins pour un prix complètement fou. Alors que là, bah non, il n'y a pas besoin. Vous prenez votre bombe, vous la faites péter, vous attendez 4 secondes, et puis pouf, une nouvelle bombe apparaît. Et ça, c'est beau quand même. Voilà, on arrive au bout, il n'y a plus beaucoup de pommes dans ces pommiers, mine de rien. On sent que c'est la fin de la saison quand même. L'hiver approche, ça ne fait aucun doute. Ah, et on peut aussi récupérer des fagots de bois. Si on fait exploser avec nos bombes les troncs d'arbres qui sont à terre. C'est d'ailleurs comme ça, évidemment, que les bûcherons fabriquent leurs planches. Vous savez, les planches qui sont utilisées dans les meubles IKEA et tout sont faites à partir de ces bombes. Voilà, vous voyez, ça marche comme ça dans la vraie vie aussi. Et voilà, et là vous voyez, on a rasé tous les pommiers, et maintenant on a 97 pommes. Bon, c'était une petite récolte, j'en conviens, mais ce sera normalement largement assez suffisant pour pouvoir nous acheter un deuxième, voire un troisième équipement qui nous protégera des flammes. Et ça c'est beau. Alors pour ça, évidemment, les petites filles me manquent, c'est pour ça qu'on va retourner voir notre très cher Coconoa du village de Cocorico, et qu'on va aller cuisiner notre petite pomme juste à côté d'elle. Je suis sûr que ça lui fera plaisir, et peut-être qu'elle aura envie qu'on lui donne notre grosse carotte. Voilà. Ah, le radeau. Qu'est-ce qu'il a, le radeau? Ouais, ça on sait. Ah, les barils de poudre, par contre, je sais pas, mais j'ai pas eu le temps de lire. Et ça, quand même, c'est dommage. Voilà. Et puis, quand on se téléporte ici, forcément,
on retourne à la fontaine de la Grande Fée pour voir s'il n'a pas des carottes pour nous aussi. Les Grandes Fées ont toujours des bonnes carottes à disposition. Ne l'oubliez jamais. Eh ben, maintenant qu'on a cueilli nos pommes, Iridan, il faut les cuisiner. Et dans cette ville, il y a une petite fille qu'on adore. Ah, il y a une carotte là-bas. Voilà. Donc normalement, ça devrait être bon. On va retourner voir notre très chère Kokonoha. Quoique, peut-être qu'elle est encore en train de dormir à cette heure-ci. Eh oui, il est seulement 7h50 du matin. Et la pauvre petite, elle a des nuits assez courtes. Vu que ses parents ne surveillent pas sa maison, du coup... Tu peux utiliser ma prière à tout moment. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais là, Pricota? Ah, papa Nono, je suis caché. Ah, elle joue à cache-cache. Oh, c'est mignon. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que son papa et compagnie ne viendront jamais la chercher. Allez, Kokonoha, j'arrive. Où es-tu? Oh, il n'y a pas Kokonoha. Et en plus, le feu est éteint parce qu'il pleut. Ah, dommage. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas attendre la fin de la pluie sagement. On va aller chez moi. On va aller cuisiner chez moi. Ouais. Tant pis pour Kokonoha. De toute façon, je suis sûr qu'elle ne serait pas sortie avec cette pluie. Parce que la pluie n'est pas agréable, hélas. L'eau, ça mouille. Et du coup, après... C'est chiant d'être tout mouillé. Ah bah oui, j'ai acheté une maison. Pour seulement 3000 rubis. C'était une affaire en or qu'il ne fallait pas louper. Du coup, j'ai acheté la maison, je l'ai meublée, et j'ai même ma pancarte avec mon nom dessus à l'entrée. Et ça, quand même, c'est pas tout le monde qui y a, tu vois. On sent que Link est quelqu'un de privilégié, tu vois, si tu vas à l'entrée des maisons des gars, là, tu vois, il n'y a pas de pancarte. Tu vois, tout ça, là, tout ça, c'est la plèbe. C'est des gars, tu vois, c'est un peu des sous-résidents. Alors que tu vois, moi, j'ai ma maison un petit peu à l'écart. On a construit un pont juste pour moi, en plus, hein. Ça, c'est vrai, je ne l'avais pas souligné, mais ce pont a été fait gratuitement. Dès que les ouvriers qui sont ici présents ont su que j'allais venir, ils ont construit le pont pour le prodige, tu vois, et là j'ai ma petite pancarte qui indique chez Link. Alors par contre là il y a un truc qui va pas, si vous vous rappelez bien, chez les Gorons, il y avait des panneaux avec des messages énormes en seulement 4 signes, et là regardez pour écrire chez Link, regardez-moi le nombre de symboles qu'ils utilisent. Sans parler des petits caractères en bas à droite, voilà. Je crois qu'il y a un problème, parce qu'en seulement 4 caractères, ils arrivent à nous écrire 3 pages entières. Par contre, pour écrire chez Link, ils sont obligés d'utiliser 2 lignes complètes avec moult signes et des signes en tout petits caractères, comme sur les contrats remplis d'arnaques. Et ça, quand même, c'est bizarre. Voilà. Je ne crierai pas à l'incohérence du lore vu que le jeu est parfait. Par contre, c'est très étrange. Il faut le souligner. Ouais. Alors du coup, on va aller avec nos potes, les ouvriers. On ne va pas attendre, on va cuisiner. Voilà, c'est le moment le plus passionnant du jeu. On prend 5 pommes, on appuie sur A. Voilà, on appuie sur X pour passer le moment où ça cuisine. Et puis, voilà, c'est prêt. Et on recommence. Voilà. c'est la meilleure phase du jeu, évidemment. Et c'est ce que je fais en ce moment, tous les matins, rien que pour vous, pour ne pas avoir à faire ça en direct, justement. Mais ça, c'était avant que le Goron de la boutique d'équipement ne me subtilise tous mes rubis. Voilà. Et ça, quand même, c'est un peu triste. Je suis désolé, du coup, de vous infliger cette phase absolument exécrable, mais je vais l'animer du mieux que je peux. Voilà. Allez, encore un chutney de fruits, même si je comprends pas pourquoi il dit deux fruits alors qu'il n'y a que des pommes, hein, il pourrait dire que c'est un chutney de pommes, ça marcherait très bien évidemment.
Il faudrait aussi qu'il m'explique l'histoire du longuement mijoté dans sa description, vu que là, je vais vous le faire en temps réel. Vous allez voir, le jeu et moi, on n'a pas la même définition du longuement mijoté. Voilà. Longuement mijoté. Lentement mijoté, pardon. Pas longuement, lentement. Il y a une nuance, même si elle est assez fine finalement, la nuance existe. C'est important d'être précis. Voilà, on y est presque. J'y crois à fond. Ah bah oui, je veux des dollars pour m'acheter des équipements qui vont m'empêcher de brûler pour pouvoir continuer l'histoire. Parce que là, j'ai pu acheter les bottes en arrivant au village Goron, et j'ai pas pu acheter le reste. Et visiblement, les bottes ne suffisent pas. Donc il faut acheter le reste. Pour acheter le reste, il faut des rubis. Et pour avoir des rubis, il faut faire à manger. Et pour faire à manger, il faut aller cueillir des pommes. C'est pour ça qu'on est allé cueillir des pommes. Voilà. En sachant que, en allant au village Goron, évidemment, je n'avais pas l'équipement que j'ai acheté au village Goron. Hein. On comprend facilement la logique des choses, vu qu'il n'y a pas de... de plot twist à base de voyage temporel qui m'aurait permis d'avoir les équipements qui protègent des flammes avant d'arriver au village Goron. Et du coup, bah, toute la route en allant vers le village, j'avais le feu aux fesses et je perdais ma vie en continu. Voilà, j'ai aussi perdu tous mes équipements qui étaient en bois, parce que le bois ça brûle. Et ça c'est triste hein, quand même. Ah, voilà, on y est presque. Hop. Voilà. Et puis, on va regarder si j'ai assez de carottes pour faire le super plat qui se revend super cher. Et oui, j'ai assez. Donc là, vous prenez 5 carottes vigueur, vous les mettez dans la marmite, et hop, ça fait non pas des chocs à pic, mais une poêlée végétale Vitalis qui va se revendre 420 rubis. Alors maintenant... la boutique la plus proche que je connaisse, c'est celle qui est à Cocorico, parce qu'il y en a une dans ce village, mais je me perds tout le temps dans ce village, donc je préfère aller à Cocorico, vu que je sais où sont les boutiques. Comme ça, on pourra regarder s'il y a Coconoa ou pas, on pourra lui dire bonjour, évidemment. Et puis, on va aller vendre tout ça. Ouais, ok. Est-ce que tu veux qu'on va... Ah, voilà. Ah, ici, il pleut toujours. C'est génial. Allez vivre à Cocorico, vous aurez de la pluie. En fait, Cocorico, ça doit se situer aux alentours de Brest. Oh, pas de Coconoa, je suis déçu. La pluie a dû la faire fuir. Donc on va aller raqueter la grand-mère en lui refilant tous les plats. Voilà. Bonjour mamie. Ah non, c'est pas mamie aujourd'hui. Oh. Ah, parce que c'est pas la bonne boutique. C'est pour ça qu'il n'y a pas mamie. Ah bah non, moi je veux pas de vendre. Je veux raqueter la grand-mère. Attends. Grand-mère, où t'es? C'était là. Voilà, avec les carottes. Il faut carotter la grand-mère. Bonjour grand-mère. Ah, achète-moi un truc. Voilà. Et là, vous prenez votre plat de carottes, voilà, et ça coûte 420 rubis. Enfin, elle doit racheter 420 rubis. Et ça, quand même, c'est beau, tu vois. Ah, là, ça fait plaisir. On est bien, là. Et du coup, après, on prend tous nos chutneys de fruits. On en garde quand même quelques-uns au cas où on a un combat difficile. Et puis, on peut se faire 250 rubis par rangée. Vu qu'il y a 5 plats sur une rangée et que chaque plat se vend 50 rubis, ça fait 250 rubis. Donc là, en vendant ces deux lignes, je vais pouvoir me faire 500 rubis supplémentaires. Et ça, quand même, c'est beau. Voilà. Vous aussi, faites du calcul mental en regardant des streams de Zelda. Je suis sûr que c'est pour ça que vous êtes là, et c'est très important. Si vous voulez, je peux aussi refaire mon cours d'histoire sur Henri IV, hein.
puisque, je le rappelle, j'ai trouvé un cheval blanc et que j'ai nommé ce cheval blanc Henri IV en rapport avec la fameuse blague « Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ?» Ah, Eridan ne veut pas que je le fasse. Du coup, je vais me sentir obligé de le faire, forcément. Alors, Henri IV, on le rappelle, c'est un roi de France qui est devenu roi de France en 1984. Et c'est un roi de France exceptionnel, vu qu'il a changé de religion approximativement 48 fois dans sa vie. Parce que lui, il aimait bien être protestant. Le problème, c'est que pour être roi de France et épouser des jolies madames, à l'époque, il valait mieux être catholique, du coup. Et ça, ça lui plaisait pas trop. Alors, il a fini par faire un petit papier, vu que c'était le roi. Après, il en avait plus rien à faire. Et il a pondu ce qu'on appelle l'édit de Nantes, qui a permis d'assouplir les tensions entre les catholiques et les protestants. Les protestants n'ont plus été persécutés par la suite, et ça, quand même, c'était formidable. Voilà. Il faut le dire. Henri IV, un grand homme. C'est peut-être grâce à lui qu'aujourd'hui, la France n'est plus entièrement catholique, et ça, quand même, c'est pas mal de pouvoir choisir sa religion. Voilà. Si aujourd'hui, vous pouvez être catholique, musulman, juif, protestant, athée, agnostique ou bouddhiste, ou... Non, on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Ou druide, tiens, pourquoi pas. Eh ben, c'est grâce à Henri IV en partie. Et ça, quand même, il faut rendre hommage à ce grand homme. Et ça y est, j'ai enfin réussi à vendre tous mes plats préparés avec amour pour ma petite grand-mère, hein. Et on va pouvoir retourner chez les Gorons et je vais pouvoir arrêter de raconter de la merde. Merci. Voilà. J'espère que cet instant culturel vous a plu. Moi, je l'ai trouvé absolument délicieux à raconter. Du coup, demain, évidemment, je vais préparer un petit subterfuge pour pouvoir vous parler de nos ancêtres les Gaulois. Voilà. Allez, streamer, un métier d'avenir où la culture est prépondérante. J'espère que vous êtes contents. Ah merde, non, mais arrête d'avoir le feu aux fesses. Vite, mets tes bottes. Voilà. Là, c'est bon. T'as plus le feu aux fesses. Ah, il a plus le feu aux fesses. Tout va bien. Tout va bien. Du coup, on doit retourner au village pour aller s'acheter les équipements qu'il nous manque et nous faire raqueter le reste de nos rubis. Alors, il est où déjà le magasin? Il est encore un peu plus bas. D'ailleurs, visiblement, il y a eu un mariage à côté de chez moi, donc j'espère que vous n'entendez pas trop les cloches qui sonnent en continu depuis au moins 2 minutes. Voilà, je parlais de religion, et ben on est en plein dedans finalement, et ça c'est beau quand même. Les choses sont bien faites, et j'espère vraiment que vous ne l'entendez pas, parce que moi, même avec les écouteurs et la musique, et ma propre voix, et ben je les entends, et ça quand même c'est magique. Ah, vous les entendez quand même? Eh ben, sachez que j'en suis désolé, mais je ne peux rien y faire. Voilà, pour information, évidemment, j'habite à côté d'une église. Au cas où vous n'auriez pas compris. Et du coup, ben, ça va avec les petits aléas de la vie qui vont avec. Ah, et je peux acheter cette armure pour 600 rubis. Voilà, et du coup, ça nous fait une double protection anti-flamme. Et vous savez quoi? On n'aura pas assez pour s'acheter la dernière protection qui coûte 2000 rubis. Ce vendeur est fou. Ce gars a un problème, visiblement. Chez lui, un casque, ça coûte 3 fois plus cher qu'un plastron. Voilà, sachez-le. Et les cloches se sont tues. Ah, ça va mieux. Mes oreilles sont soulagées. Ah, mais gros vendeur, hein. Le gars, c'est pas du tout un voleur.
Ok. Bon, dis-moi maintenant que tu n'as plus le feu aux fesses, s'il te plaît. Dis-moi que tout va bien. Oh putain, une autruche. Ah, du coup, les flèches prennent feu. D'accord. Ah bah oui, remarque, elles sont en bois, c'est logique. Mais c'est le petit détail qui fait le sel du jeu aussi. La cohérence est très importante. Rappelez-vous les inscriptions sur les panneaux. Ça peut vous sortir du jeu. Si c'est mal fait. Ah, et du coup, on prend plus feu. Eh ben, bonne nouvelle. Alors, attends. On va les faire tomber, ceux-là. Ok. Allô? Ah. D'accord. Et l'autre, il est où qui me tire dessus là? Ok. Donc on va y aller. Voilà. Donc vous voyez, quand je fais une flèche comme ça, ça prend feu, il n'y a pas d'embrouille. Par contre, quand je sors mon paravoile en bois, eh ben ni le textile ni le bois du paravoile ne prennent feu. Et là, par contre, je dis non. Zelda, tu n'es pas parfait. Là, on peut plus te défendre. Oh, ok, j'ai compris. Tiens, va là-bas, toi. Voilà. On va prendre les bombes carrées, plutôt. Ça ira mieux. Ah, et le minerai est parti à l'opposé du souffle de l'explosion. Et ça, quand même, niveau réaliste, là, on est en train de défoncer toutes les portes de la réalité normale. Ok. Donc là, je suis arrivé vers un canon. On peut tester le canon. Ça peut se faire. Tiens, vas-y, fais-moi rêver. Comment ça marche? Ah, d'accord. Et puis après, comment ça se passe? Ouais, je comprends pas trop comment ils marchent, leur canon. Faudra m'expliquer. J'espère qu'il y aura un tuto après. Du coup, on va partir par là-bas. Vu que le machin est là, ok. On est dans la bonne direction, tout va bien. On peut continuer. Ah, il y a un sanctuaire pas loin. Alors, il est où ce sanctuaire? Il n'est pas en contrebas, donc il doit être plus haut. Et du coup, pour éviter le camp de gobelins, on va passer par là. Parce que, pourquoi pas? Voilà, si on peut, c'est que c'est autorisé. Ouah, il y a même sa voix et tout qu'on entend. Ah, j'arrive. Je suis le prodige, je vais te sauver. Ouais, ouais, c'est bon, je regarde juste s'il y a un sanctuaire autour avant. Mais j'en vois pas. Oh, il est coincé! Bizarre que ça sonne plus d'ailleurs. Ah, il est vraiment en train de pleurer. Donc t'es en train de me dire que c'est par là. Ok, donc il doit être dans le rocher en fait. Parce que je pense pas qu'il soit au-dessus, hein. Ça me paraît un petit peu gros. Il doit être dedans. Oh, il est coincé. Ah non, pas celle-là. Non, ça marche pas. Ah bah non. Du coup, il faut peut-être le refroidir avant de le shooter. Alors, on va essayer ça. Oh, j'en aurai plus que 47 après. Non, c'est pas ça. Ah bah non, c'est pas ça. Non plus. Bah alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh. Bah ouais, mais là, faut m'expliquer comment te sortir de là. Non, tu veux pas discuter? Et si on met un coup de masse, comment ça se passe?
On passe au travers. Ce rocher est en scénarium, il n'a pas de hitbox. Ah, magnifique. Gros jeu. Et un brise-roc. Même le brise-roc ne peut pas briser les rocs. D'accord. Bah écoutez, qu'est-ce que ça peut être? Ah, j'appelle Henri IV à la rescousse, mais Henri IV est trop loin, il ne m'a pas entendu. bah j'en sais rien, moi, mon gars, comment tu veux que je te sorte de là? Il y a un autre passage, non? Peut-être au-dessus? On sait pas. Oui, ça on avait compris, il n'y a pas de souci. Oh! Ah, et là, il y a un korogu. Un korogu en bois qui ne brûle pas. Cohérence encore moins un. C'est compliqué. Apparemment, les développeurs de Zelda ont du mal avec le feu, les hautes températures et la lave. D'accord. Ah, une flèche explosive peut-être. J'en ai que 47. Mais je veux bien en sacrifier une. Visiblement, les températures seraient un petit peu trop élevées pour dégainer une flèche explosive, tu vois. Tant qu'elles sont fourrées dans l'arrière-train de Link, tout va bien. Par contre, dès qu'on les sort, il semblerait que ça pète. Essaye d'écrire français, s'il te plaît, Eridan. C'est problématique, là. Je ne comprends rien. C'est compliqué. Je sais que je te l'ai déjà dit. Je suis désolé de t'embêter avec ça, mais il y a des moments... c'est... Non. Je sais pas. Tout comme je ne sais pas comment aider ce pauvre monsieur qui est emprisonné derrière ces rochers. Oui, non, peut-être. Peut-être que le jeu m'a laissé un indice dans mon journal. Dirigez-vous vers l'entrepôt et assurez-vous. Non, il dit rien. Non, fais pas ça. Une épée de glace? Non. Du feu! Du feu sur du feu! Non plus. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. J'ai loupé un truc, forcément. J'ai dû louper un truc. Qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être une entrée dans en dessous? Dans le camp des gobelins, là-bas? Ou alors, il faut utiliser les canons qu'on n'a pas réussi à utiliser tout à l'heure. Ça doit être ça, en fait. Je pense que le scénario a essayé de nous dire un truc. Alors, comment on t'utilise? Déjà, on doit te mettre droit. Voilà. On va aller se débarrasser de ceux-là aussi, parce qu'ils vont nous embêter. Ah, c'est bon, j'avais le pouvoir. Je te protégerai. Ouais, continue, c'est bien. non, pas avec cette arme, par contre, s'il te plaît. Reprends ton épée normale. Voilà. Ok. Donc là, ça devrait être safe. Ah, une queue rouge de Lesalfos. C'est vrai que j'en avais pas encore. Ah, lui, il a eu un petit problème. Ah, il craint pas la lave, lui. Oh, tranquille, normal. Bon, alors, comment ça marche, ce machin? Comment ça marche? What? Mais arrêtez de me shooter de n'importe où, là!
Oh les gars, ils ont plus aucun respect. Il va falloir aller corriger ça. Ah, un petit coffre. Au moins, on n'est pas venu pour rien. S'il te plaît, tu peux monter? Ah, merci. Voilà. Ah, mon épée s'est cassée, visiblement. Ça y est. Alors, comment ça marche après? Elle revient, elle revient pas. Bon, on sait pas. Bah en attendant, on va prendre ça. Ok, donc là, on retourne là-bas. Voilà. Du coup, on va faire péter ça au passage. Oh, mais ça tombe tout dans la lave. Ok. Alors. Bah non, c'est pas dans la bonne direction. Là. Et du coup, comment ça marche? Je pose ça là-dedans, d'accord? Et après? Ah, mais il y a un rocher dedans. D'accord. Ah, mais il peut pointer que deux directions différentes. Et du coup, si on le fait exploser là... D'accord. Et du coup, on peut remonter là. Ok. C'est bon, j'ai compris. Ah, il y a du minerai, visiblement. Ah non, c'est le lézard. La queue de lézard. Et du coup, là, on va pouvoir utiliser le vent pour monter tout là-haut. Voilà. Ok, donc là on tourne ça comme ça. Ah bah non, ça marche pas. Là tu pointes vers quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Y a rien. On va piffer ici, hein. D'accord. Et donc? Ah, ça ressort des rochers automatiquement, donc on peut faire les deux directions, il n'y a pas de souci. Bah, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Bon, visiblement, c'était pas celui-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les marquer. Parce que s'il y en a 40, autant pas les refaire 15 fois. Donc celui qu'on a fait tout à l'heure, il était où? C'était celui-là, là-bas. Attends. Voilà, donc lui on l'a fait. Tac. Ok, maintenant on sait qu'il y en a d'autres. Il y en a un là-bas. Oh zut. Prends celle-là. Ah, ça va être problématique, là.
Ah, salut, combineur. T'as fini de promener, ça y est? Alors, du coup, pendant ton absence, on a réussi à trouver l'épée purificatrice. On a réussi à la casser aussi. Elle n'est pas revenue encore. On m'avait dit qu'elle se réparait. Non, mais fais pas ça, mais qu'il est con. Reste là. Ça passait pas la première fois, ça passera pas la deuxième. Faut que je trouve une autre route. Et du coup, après, on a avancé un petit peu l'histoire en allant vers... En allant chez les Gorons. Et chez les Gorons, il faisait trop chaud pour y aller. Du coup, en y allant, j'avais le feu aux fesses tout le long. Et jusqu'à ce que j'arrive... jusqu'à ce que j'arrive au village et que je puisse acheter un équipement qui protège des flammes. Voilà, donc j'ai discuté avec les gens du village, ils m'ont dit que l'ancien s'était bloqué le dos et qu'il y avait son pote qui était parti à l'entrepôt des mines pour lui chercher un truc pour lui débloquer le dos. Et là, on arrive à l'entrepôt en question et on s'aperçoit que le monsieur est bloqué derrière plein de rochers. Et qu'il est en train de pleurer. Du coup, nous, vu qu'on est l'élu et tout ça, eh ben, on cherche à le délivrer. Et du coup, on essaie d'utiliser ces canons pour ouvrir des chemins qui permettront d'accéder à un canon qui permettra de faire exploser le rocher. Voilà. En sachant que pour arriver à ces mines qui surchauffent, il fallait avoir plusieurs équipements qui protègent des flammes, et moi je n'en avais qu'un. Du coup, j'ai recommencé à avoir le feu aux fesses en arrivant ici, donc on a dû aller chercher des petits rubis un peu partout. Donc j'ai pu montrer mon spot à farm de rubis, là où je cueille des pommes et des carottes. On a fait des petits plats pendant un petit moment, on a fait un aparté historique sur la vie d'Henri IV, c'était absolument formidable, et j'ai revendu le tout pour m'acheter un deuxième équipement qui protège des flammes. Voilà. Maintenant, tu sais tout ce que t'as loupé, et je suis sûr que tu en es ravi. Tiens, il y a un autre canon, là. Voilà. Alors, pour activer les canons, on met la bobombe dans le trou. On fait exploser la bombe, ça lance un rocher, et ça fait tout péter. Et on peut bouger les canons comme ça aussi, ça marche. C'est absolument incroyable. Et du coup, je pense que le gars qui essaie de me tirer dessus, là, va pas être déçu de la manœuvre. Voilà. Des bisous. Bon. Du coup, ce canon est fait aussi. On en a fait 3 pour l'instant. Il faut trouver les autres. Il faut trouver les autres... alors, où sont les autres? Il faudrait remonter un peu, ouais, histoire d'avoir un meilleur point de vue quand même. Ce serait pas mal. Du coup, on va monter là-bas. Link m'a fait très peur. J'ai cru qu'il avait pas activé sa parabole. Et qu'il allait finir dans la lave. Bon, alors, où c'est que ça... Comment ça se passe ici? Il n'y en a pas à l'entrée par hasard. Non, ça m'étonnerait. Ok. Celui-là là-bas, on l'a déjà fait. Hein. On l'a déjà fait. Par ici. Il n'y a pas l'air d'y en avoir. Ah, là-bas. Ah, on n'est pas allé voir celui qui est là-bas. Eh ben, allons-y. Allons-y tout de suite. Ouais. Ok, on y est. Allez, dis-moi que c'est le bon, s'il te plaît. Arrête de faire durer le suspense. Ça a assez duré. Ah, ça a tout cassé. Du coup, il y a peut-être un truc là-bas dedans, non? On sait pas. On va en rebalancer un au cas où il y a des ennemis qui aient survécu. Parce que se prendre
un toit en pierre sur la tête, ça ne tue pas forcément. Hein. On l'a déjà découvert. Et du coup, bah non, il pointe dans une autre direction. Alors, vas-y, dis-moi tout, fais-moi rêver. Qu'est-ce que tu vas faire là? D'accord, c'était super utile. t'as pas d'autre direction, hein, c'est sûr. Ouais, non, il n'y en a que deux. Il n'y a pas d'embrouille. Donc lui, on le marque aussi. Ok. Il y a quoi là-bas? D'accord, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Visiblement, il y a un sanctuaire, hein, quand même. Si je ne me trompe pas, il doit y avoir moyen de mettre le chariot derrière sur les rails pour aller au sanctuaire après. Du coup, on va noter ça là. Voilà. C'était quoi déjà les sanctuaires? C'était les étoiles, il me semble. Et sinon, les rails de l'autre côté, mais nous, là-bas. On va voir où ça mène de l'autre côté. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ok. Et là-bas, il n'y a rien non plus. Eh ben, impeccable. Bah là, je vois pas du coup. On va essayer d'aller voir au repère des moblins là-bas. Voir si ça fait quelque chose. Visiblement non. Ah, encore des flèches de glace. Et les flèches de glace, on les a déjà essayées sur le rocher, ça ne marche pas. Ce sont des rochers en scénarium qui ne se casseront que si on utilise les canons sur eux. Et pas autre chose. Bon, du coup celui-là on l'a déjà fait normalement. Mais j'avoue être un petit peu à court d'idées. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. Lui là-bas on l'a déjà fait, hein, visiblement, oui. Il n'y a pas d'embrouille. Et celui qui donne accès à ça, on l'a jamais fait non plus. Donc il en manque un quelque part. Ah, d'accord. Donc là-bas, il y en a un qu'on n'a pas utilisé. Et bah allons-y. Est-ce que ça passe là? Ça va être chaud. Au sens propre et figuré, évidemment. Mais ça se tente. Voilà. Non, non, il n'y a rien. Je suis la description absolue. Vous ne pouvez pas me repérer. Voilà. J'ai des bombes d'infiltration aussi. Qui me permettent de rester invisible aux yeux des ennemis. Ah, ça y est, l'épée de légende est revenue visiblement. Voilà. Du coup, on va achever les deux là. Hop. Ok. Et du coup, on va aller activer le canon là-bas. Allez, fais-moi rêver. Dis-moi que c'était le premier qu'il fallait utiliser. J'en serais ravi. Comment ça, bat les pattes? C'est le canon du boss. Surtout, ne touche pas au levier. Ah bah, je vais me gêner. Déjà, je vais juste balancer une bombe, histoire de voir que ça marche bien. Ok. Donc là, il n'y a rien touché. Et si on le tourne... Ah, bravo. Bravo l'artiste. Voilà. Là, ça va mieux marcher. Du coup, on va faire péter ça là. Ah, il y a un autre canon en bas, visiblement. Ok, donc lui, il est marqué, on l'a fait. Et maintenant, on va faire celui-là là-bas.
en espérant que cette fois, ce soit la bonne. Et j'y crois à fond. Allez, juste pour le lol, on va tirer comme ça. Ça va être complètement atterrir sur l'ouvrier. Non, même pas. Ça s'arrête avant. Oh. Et y a quoi là-bas? Y a rien. On est d'accord. Maintenant, faut se tourner. Ah, ok. Et donc? Et donc, ça fait rien. Super. Non, c'était ça que je voulais faire, voilà. Donc lui, il est marqué. Il y a peut-être sur cette montagne, là, qu'on n'a pas encore vu. Elle est où? Il n'y a rien en face, là? Ah, si. Je crois apercevoir un canon, là-haut. On va y aller. Attends, je vais mettre une balise pour pas la perdre de vue. Voilà, c'est là-bas que je vais aller. Ah, c'est peut-être un peu juste là. Non, c'est bon, ça passe. Ok. Donc ce canon, j'ai déjà fait. Et c'est celui par là-bas que je veux faire. Ah mais non, celui-là où je l'ai déjà fait en fait. Ah bon sang. Où c'est que ça peut bien être? Ce serait pas là-bas quand même. Alors attends, on va remonter là-haut. Voilà. Ah, peut-être qu'en timant bien, il y a moyen. Alors attends. Ah, ça m'a l'air pas mal. Ah bah voilà. Ah le con. En fait, on aurait pu terminer cette énigme il y a déjà un petit moment. Mais ça, c'est pour l'amour du sel. Voilà, on peut mettre un petit sac à moto. Je pense que c'est de rigueur. Ah merde. Ah mon dieu. Ah le fun. Ah génial. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. bah du coup, on va pouvoir aller retrouver notre bon monsieur qui nous appelait à l'aide. Alors lui, ça a l'air d'être l'homme de la situation. Attends, c'est pas que tu m'intéresses pas, mais je préfère les coffres. Comment ça, le compartiment d'armes est plein? Et ça t'empêche pas d'ouvrir un coffre? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, voilà. Donc encore un casse-pierre. Ouais, ok. Non, bah on va garder ça. Mais t'es un Elien? C'est toi qui as cassé le rocher? Ah merci, je te donne faire chandelle. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil?
Ah, mais je cherche Yinobo. Et je ne sais pas que c'est toi, parce que ton nom n'est pas inscrit en haut à gauche de ta boîte de dialogue. Ah bon? C'est le boss qui t'a envoyé me chercher? Ah, merci infiniment. Merci infiniment de m'avoir sorti de ce pétrin. C'est moi. En fait, je m'appelle Yun, mais tout le monde m'appelle Yunobo. J'étais venu chercher les antidouleurs du boss, mais une boule de feu a fait tomber un rocher qui a bloqué l'entrée. Au fait, comment tu as fait pour détruire le rocher qui bloquait l'entrée? Ah bah avec le canon. Le canon du boss? Ce truc est tellement difficile à manier que seul le boss arrive à l'utiliser. Ah, ce n'est pas le moment de papoter. Il faut vite que j'apporte les antidouleurs au village. Désolé, mais je dois y aller. Passe donc plus tard, saluer le boss. Même s'il n'est pas toujours très courtois, il sait faire preuve de gratitude. Je suis sûr qu'il voudra te récompenser. À plus tard! Eh ben voilà! Eh ben du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec Zelda. On continuera l'histoire palpitante de ce Goron formidable dès demain vers 15h. Ce soir, on se retrouve pour du Nier Automata à partir de 20h30 comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé ce live. Je vous fais des bisous. Allez, ciao!